Oh, ça joue encore à rien. Faut pas avoir peur de win. Allez, les gars. Il a fait un HP. Et c'est terminé. 13-3 sur Sunset, les gars. Ah, c'est dur pour nos joueurs à accepter. C'est dur pour nous à accepter. C'est une semaine dure. Et on a fait une ascension, là. Vraiment, c'était les mêmes ascensions. C'est aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui, c'est dans des moments comme ça qu'on va conclure notre histoire de demain. Hé, rien à foutre de l'intro, les gars. Ils sont rentrés sur scène. Bonjour à tous. Ça commence plus tôt que prévu. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, tout le monde. Allez, on y va, les gars. Ah, bordel, bienvenue à tous. Attendez, parce que... Ah, putain, ça y est, on l'a attendu ce moment, les gars. Donc, on n'aura pas clean feed, hein. Je préfère prévenir, les gars, si jamais... là, on voit les vétos de map. J'espère que vous allez tous bien. On est parti, les gars. Le match, il commence plutôt. Dites-vous que le match, normalement, il devait être à 20h. On était en mode, au cas où... On se prépare pour 19h et ça a lancé à 19h pile, les gars. Team Liquid qui se sont fait déchirer par FUT juste avant. Donc, ah ouais? Ouais, ouais. Donc, Mais j'ai l'impression que toutes les cartes sont rebattues là cette année, non? Il y a Fnatic qui a perdu 0-2 contre Heretics. Ouais, après, Heretics ils ont fait un bon kick-off. Mais tu vois que les kick-offs, tu vois, c'est-à-dire que. C'est révélateur. C'est quand même assez révélateur et tu peux voir. Non, du coup, c'est pas révélateur et on va le prouver aujourd'hui avec ce match. C'est aussi ce qu'on avait dit, c'est la première année de VCT, les équipes sont faites au naming. Ça s'est fait au nom, genre ah toi je te connais, t'es assez chaud, on prend. Et là maintenant dans la saison, on l'a vu, ils savent qui clique vraiment. Qui a quel level quoi. Du coup on avait dit que la deuxième saison elle allait être beaucoup plus corsée. C'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Ah les gars, j'ai l'impression, ça fait tellement longtemps que vous avez pas eu sur scène, j'ai l'impression que c'est un replay d'un match de y'a... Alors non, c'est la première fois qu'ils sont là-bas sur scène mais qu'on casse pas de sur place, ouais, non? Toi et moi. Oui. C'est la première fois. C'est la première fois, bah, c'est ça qui me fait bizarre. Ouais, mais non, j'étais là aussi, rappelez-vous, des fois t'as pu sur... Ah oui, tu étais là avant et toi aussi, pareil, tu l'as vécu aussi. Ouais, ouais. Je suis comme toi, je stresse, je me mets à grignoter quand je stresse. Ah, et toi tu me juges quand on avait fait ça, d'ailleurs en parlant de ça. Quoi? Oh! Waouh! Oh, attends, on a failli le perdre. Il est pété. Waouh, il est. Putain, il est. Ah, c'est vrai que c'est l'arnaque avec lui là. Je trouve qu'il est pas. Il est pas au niveau de l'effort que c'est de remporter ça. Je suis d'accord, surtout que c'était le. Moi, major... ça va, j'aime, non, franchement. Moi, j'aime bien en vrai, hein, mais c'était le major le plus corsé. Mec, on a affronté les top 1, top 2 de toutes les régions. On a fait 0 loose. Faites-nous une vraie coupe, genre. Je vais la refaire moi-même. Bah, il mérite mieux que ça, non, les joueurs. Non, elle est mieux que celle de Valo, moi, je trouve. Ouais, mais largement. Après, pas dur. Ouais, franchement, pas dur. J'ai gagné une coupe un jour à l'école. Franchement, elle était mieux. Moi, quand j'ai gagné le tournoi de ping-pong de mon école primaire, la coupe était moins ouf. Quoique. Oh, les gars. Bon, bienvenue. Alors oui, on live sur ma chaîne, pour ceux qui savent pas, parce que je suis Head of Valorant. J'ai eu une promotion au sein de Gentlemates. Donc bienvenue, les compos s'affichent, messieurs. Est-ce qu'on a quelque chose de surprenant? Je ne crois pas. C'est du classique. Non, c'est ce qu'on connaît bien. Attendez, parce que les gars, on est sur Ascent. On est sur Ascent et on attaque sur Yoru. On a attaqué sur Yoru et Logan, on n'est pas sur Killjoy, on est sur Cypher. On a vu jouer sur Cypher pendant le kickoff, mais sur Ascent, on avait une Ascent plutôt correcte et il était toujours sur Killjoy. On l'a jamais vu sur On l'a jamais vu sur Cypher, t'es sûr? On l'a pas vu un match sur Ascent, jamais. Ah, sur Ascent, oui. Mais on l'a vu sur Sunset. Sur Breeze, et tout. Enfin, moi j'ai pas sur vu Breeze, sur Breeze, on l'a vu contre Vitality. Il avait. Moi, j'ai vu aucun match contre Vitality, les gars. C'est notre premier jour aujourd'hui. Ouais, il y a pas dit. De kick-off. Là, pour moi, c'est la reprise. On n'a pas joué depuis au moins 10 mois. Pour moi, le kick-off n'a jamais existé. Voilà, les gars. Il n'a jamais existé. Bon, les gars, on vous la refait rapide. Il y a eu ce qu'on appelle donc le fameux kick-off où c'était un peu le démarrage de la saison. C'était un peu des balles à blanc quoi, qu'on se tirait. Non, on était pas même si le grand gagnant a obtenu quelques points quand même. 3 points. Donc, ça a été cassé qui a remporté le kick-off en Europe d'ailleurs. Ils ont fait une run incroyable. Et du coup, c'était une qualification pour comment ça s'appelle, Madrid. Le Master Madrid, ouais. Où au final, c'est Sentinel qui s'est imposé face à une très bonne équipe de Gen.G. C'était les deux rencontres qu'ils ont fait étaient assez épiques. Ouais. Et voilà. Et du coup, ils ont chopé 3 points dans leur région, plus 3 points du coup de Madrid. Donc eux, ils ont 6 points, c'est limite sûr qu'ils vont aller. Ils sont bien au World, c'est pour les Worlds. Oui, c'est des 3 points de régularité pour les Worlds, pour les futurs majeurs, etc. Quand on parle de points, c'est pour aller au World, je crois. Ouais. Exactement. Oui, c'est ça, c'est pour aller au World. Normal la cam, non, la cam est normale, les gars. Mais il y a plein d'écrans qui tournent derrière. Ah oui, bah par exemple dans ces deux écrans, il y a le bundle M8. Ah oui, je le vois, mais je vais l'acheter tout de suite. Oui. Les gars, on est aussi dans l'écran, c'est l'écran de Nathan. Les gars, ça commence, on est parti. Nathan qui va prendre la petite orbe, donc du coup on va commencer en attaque, les gars, sur cette map à scène.
On va juste prendre l'orbe, mais je pense que ouais, on va faire la stratégie habituelle, c'est-à-dire que on va prendre les orbes avec notre petit phénix, le farm le plus possible à tous les rounds. Il y a Sova qui va défendre l'orbe du B. On est parti prendre l'orbe du A. Et... Alors c'est quoi alors cette On peut pas monter le son de jeu les gars parce qu'on n'a pas de clean feed. Il y a les commentaires anglais par-dessus, donc si on monte trop, vous nous entendrez plus, ça va être hyper chiant. Donc désolé, le son n'est pas très fort, c'est la vie. Ils jouent fort en A. On va tenter la pression. Ah, ils sont 3 en A et on a l'air d'aller là aussi. Ok, j'ai l'impression qu'il va lâcher. Ils sont 4. Mais... Attends, il y a Logan qui va être déposé. Non, mais Logan et Wheeler, c'est Logan et Wheeler qui avancent par le mid, qui vont être rattrapés par les autres. Ok, une cage pour libérer. Ok, okay. C'était un bait. On les a bien fait boucher. Faudra pas être naïf de la Killjoy. Attention, la Killjoy, il a pas tué. Il a pris une tête, mais il a pas tué. Qui va réussir à faire l'open. Pourquoi il se débarrasse de son classique Amit? Oh! Non, ouais, attention parce qu'on s'en prend deux derrière. La parano, oui. Chacun se met au mid. Le gars qui va prendre un kill. Ok, c'est parfait. 20 HP. Ouais, ok, il a les infos. Il situation a les infos. De 2v2. Non, mais en vrai, c'est bien parce qu'il s'était pris une tête, les gars, rappelons-le. Et au final, il arrive quand même à en prendre un avant de mourir. 2v2, on a la double ligne. La double ligne incroyable. Un premier. Oh. Non, let's go! Hey Wellers qui va finir le travail avec le Bundle Gentleman! Le classique disponible! Avant le Bundle, j'étais devenu très nul au classique. Et maintenant, je suis un monstre. Des fois, mes rounds d'achat, j'hésite à prendre la Vandale. Ah ouais? Ouais, j'hésite. Là, t'exagères. Non, je croyais t'hésiter à prendre le Ghost, pas la Vandale. J'hésite vraiment. Okay. J'hésite vraiment. Sur Breeze? Frérot, je décale les AWAP au classique Gentlemate. Ah, il t'a donné, il y avait une paire de couilles dans ce bundle pour toi. Oui, il y a tout. Elle est pas avec le bundle. Allez, voilà mon attend. Content, c'est bien les gars, un gun round. On se met direct dans le match. Ça fait du bien, sachant que, et j'ai pas peur de le dire, hein, c'est une map qui favorise le side defense. Ouais. Voilà, j'ai pas peur de le dire, je connais mes maps. C'est pas pour rien que tu es de Valorant. Je suis Adolf Valorant, bienvenue, achetez le bundle. Achetez le bundle. Donc là, on se dirige vers. B, il y a une Killjoy qui est là. On a vu le TP. On fait bon pari en tout cas. Hein. Si on pouvait activer. Et on active. Flash Phoenix, ça part. On va mettre le drone, on va mettre le stuff. Hein, voilà. Okay, acheter le bundle, le mute. Ça part tout de suite. Là. Attends, on a vraiment plus rien à foutre quoi. Vraiment entre deux. Dans une situation tendue. C'est des tocs. Ah ouais, entre deux. Attention, Elite. Non, c'est bon, il a pas le bundle, la mute. Il a quand même mis une tête avec son classique. Avec celui de la mute, il en a mis deux, c'est ça. C'est vrai, t'as raison. Logan qui a une très bonne pose, Takas qui a une pose monumentale qui va en prendre beaucoup. Takas, s'il te plaît. Voilà mon Takas. On a l'info. Et forcément, là, il est en confiance. Il a son arme principale qui. Ah non, il reprend son arme secondaire. Non, mais il sait ce qu'il fait, il est dans sa tête. Et là, il donne l'info, il dit reviens Marquette. C'est fermé. Et là, regarde. On va le jouer. On va jouer parce qu'on sait qu'il va potentiellement se suicider avec la bombe, donc on va aller le chercher. Oh non! Il s'y attendait pas, boss. C'est pas grave, on perd une arme. On perd une bulldog au calme. Allez, mon Takas. Allez, les gars. On est dedans, apparemment, bundle 8, top on est 2 achats de tous les bundles. Non, on est le top 2 européen, les gars. Fnatic nous bat, c'est pour ça. Allez, acheter, on fait une propagande de fou. Faut qu'on devienne au moins les expatriés en Asie, là, faites la propagande M8 parce que la différence sur les bails, elle s'est faite en Asie. Ça s'est fait en Asie. Ok, oui. Alors, tous mes expats en Asie, là, hein, je vous vois là, ceux qui vont se la couler douce à Bali, à Shanghai, ouais. À Tokyo, tous mes expats asiates, là. Faites-nous une propaganda, là, en Asie, là. Nous, on les touche pas, nous. C'est vrai que les gars, Fnatic vend super bien en Asie. En quoi? En Asie. Ok. J'ai eu très peur. Ouais. Ok, attends. Tu sais que je viens de tilter. Ok, on se dirige vers ce B. Allez, c'est le round armé. Si on met ce round, les gars, on est super bien. Ouais, c'est si pas, on le met pas, on le met pas, c'est pas dramatique. Parce qu'on pourra racheter le round d'après à part Takas. Ou attention, heureusement qu'il a pas de batteuse. Hein. C'était carnage. Il a pris la truc, mais it's ok. Et regarde, ta brève qui va tenter une pause surprenante. Il va prendre de l'espace. C'est très bien joué de sa part. Là, faut pas être naïf. Il porte bien son nom, je trouve ça hyper brave ce qu'il est en train de faire. Faut pas être naïf. Moi, tu vois, dans cette situation-là, moi, je suis un traumatisé. Regarde, c'est terminé. Ces mecs-là sont trop en confiance. Oh, trigger discipline. Oh, j'ai cru qu'il allait lui mettre un flic. J'ai cru qu'il allait faire le Spider-Sense. C'est pas grave. Ok, magnifique, mon Nathan. Ce sera revenge par Nathan directement. Attention, parce que ça reprend. Ça a repris derrière Brave. Ils jouent en second temps. Et là, on peut pas s'en douter deux fois qu'il y aurait quelqu'un ici. Là, ils ont l'info qu'on va arriver. En fait, ils ont l'info parce que, comme il a poussé loin, il sait que c'est pas en A. Ouais, absolument. Et il a l'info de la short, donc ça peut être en B. Absolument. Il y a Nathan qui tient la nani, tient la tourelle. Il va mettre dans le dos, il a mis son cut. Ils ont l'info des 4.
Faut pas paniquer, faut juste situer. Oh, Rizik a pris un temps. Dommage, on s'est fait shutdown. Ouais, ouais. Ils étaient beaucoup sur ce B. Là, on fait tomber deux armes. On a manqué un peu de contrôle sur la map. Ouais. On leur a laissé trop d'espace, donc trop d'infos. Bah, c'est un régulier bonus hein, ce qu'on vient de faire. Voilà, on fait tomber deux armes, c'est pas dégueu. Franchement, je suis quand même content, tu vois, honnêtement. Non, en vrai. On peut avoir le son. Il n'y a pas de clean feed, désolé, messieurs dames. On n'a pas de clean feed. Après, si vous voulez, on peut faire un test, hein, mais je vous assure que si vas-y, augmente un peu. Viens, on y va progressivement. Augmente un poil et puis on va y aller. Alors, on va mettre comme ça, les gars. Ah non, mais là, c'est un enfer. Non, mais ils voulaient le son plus fort. Là, c'est un cauchemar. Ok. Comment on va attaquer? On va attaquer en A, les gars. Alors, je disais. Achetez le bundle, hein. Achetez le bundle. Là, vous avez le son du jeu, c'est bon? Vous entendez les couteaux qui s'envoient ou pas, là? Baisse un poil. Peut-être un entre-deux. Parfait. Tous les deux. Parfait. Peut-être un entre-deux qui existe. Vas-y, fais. Je sais pas où c'est. Il a dû dire. Vous pouvez pas faire les vos gueules. Comme ça, ça va. Ah, là, c'est pas mal, je crois. Je crois que c'est pas mal. Allez sur le stream office, sinon directement. C'est horrible. Parfait. Ok, attends. Ta casque a... On va prendre les infos. Qui a la spectre, hein. Non, ouais, j'ai dit, il avait pas assez lui pour acheter pour le prochain. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on décide de faire? Ils sont deux en B, deux en A. Il n'y a pas de bon side, j'ai envie de te dire. Il n'y a pas de bon choix. On a pris très cher. Sale balle. On a pris quand même très cher. Attention! Ah, il s'est fait avoir par. Il y avait la choc d'art plus en même temps. La Killjoy qui a pris. Oh là là. Attention, attention. Nathan qui a un taf de fou à faire. Il a vu le couteau, ils sont deux. Magnifique. Oui, oh là là, voilà mon tank. Oh, le voilà mon tank. Il est pixel. Bien joué. Non mais les gars, vous rendez en termes de macro, c'est énorme là. On dit ouais, ça. Ouais, même ouais, moi, ouais. Il m'a exterminé. Ouais, ouais. Même moi, je suis. Romain, il était comme ça. Attention au top. Il a eu un bon timing. On ne sait pas s'il est passé, mais on n'est pas dupes pour autant. On n'est pas con. On n'est pas les derniers des cons. On n'est pas né la dernière pluie. C'est bon, mon Wally. Allez. Ils vont lâcher. Bon, gentiment, ils vont lâcher. Béaz, tu vas les cut. Béaz. Allez, solide mon Béaz. Solide mon bébé. Là, il leur dit aux autres, Oui, mon Béaz. En plus, ça va perdre les armes, mais c'est incroyable. On joue bien, ça fait du bien. Ça joue très bien pour l'instant. Ça fait du bien. Ça fait du bien, je suis vraiment content. On est concentré. Oh non, t'as fait quoi? Béaz, j'ai l'impression qu'il engueule tout le monde. Quoi qu'on. T'as dessiné? Quelqu'un a dessiné? Qui a dessiné? Quoi? C'est Rizzo. Dessiné où? Ah, puis c'est Control Bros. De quoi? Qu'est-ce en fait, là, quelqu'un a dessiné ici. Bah, c'est moi, c'est moi qui avais la souris. C'est moi. J'ai dessiné. Oh, regardez Béaz, comment il est trop beau. Depuis qu'on a ramené cette coupe, t'es complètement possédé, mec. Oublie pas, la route est longue. Il y a un Major 2, il y a des Worlds derrière. Hein. Bon. Tu parles de cette coupe où, du coup, on a été la meilleure équipe mondiale sur un événement. Et cette coupe, alors, en parlant de coupe, cette coupe. Oh là là, attention, on actionne, justement, il y a quelqu'un dans le corner. En effet, attention, putain, Brave, il est en place, faut faire gaffe. On sait qu'il est là, je crois. Brave, il est en place. On sait qu'il est là. Non, c'est mon Ray, il va TP, il se TP. Il a pu fight TP, on n'est pas du pain. Ouh, la molly pour casser cette ligne-là, le wall. Attention, ouais, c'est bon. On va chercher, attention, parce que le wall va descendre. Non, non, c'est bon, il connaît son Valorant. Là, il dit, il est pas là, les gars. Et c'est Takas, du coup, qu'on va déposer ici. Non, non, il se barre avec. Il va juste prendre l'info, il a juste pris l'info. Il a pris l'info. Ça joue bien. Ça joue très très bien. Pendant qu'il y a une petite lenteur, les gars, ouais, qu'est-ce qui se passe avec cette coupe, ce buzz cut qui était. Attends, on a l'air de revenir hein, du coup. Hein. Putain, on revient, ouais, c'est vrai. Attends, ouais. Ils sont trois. Ils sont trois en A, mais est-ce que c'est un bon choix? Attends, je suis inquiet. Ils n'y ont pas cru du tout. Hein. Ils n'y ont pas cru du tout, effectivement. Et ils ont eu raison, même il n'y a personne qui regarde. T'as qu'à prendre les infos. Ouais, là, il dit, les gars, il y en a deux là. Enfin, deux, c'est ouais, les deux jeunes, il dit deux jeunes. Et il va se les faire. Hein. Oh, c'est magnifiquement joué. Il va se les prendre lui-même. J'ai un pote qui jouait Yoru et il me disait, une personne était pas trop fou. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelait Billy. Billy? Mais t'es un malade. Tu sais que c'est le célèbre youtubeur qui a popularisé Yoru, Billy. Bah, Takas le joue depuis Billy. Tous les joueurs pro le jouent depuis Billy. Et même quand ils insultent, ils disent tous malveillant. Mais bien sûr. Ah, voilà, il était en pure malveillance. Il l'a dit là, il l'a dit. Hein. Je sais, j'ai vu, on a vu ses lèvres. Mais bien sûr. Ok, attendez. Ok, la tourelle qui est en place. Bon, on fait ce qu'on peut. On était en semi-écho, hein, les gars, du côté de BBL. Ils vont. Ah, c'est bien joué, les gars. Quand on repart du round. Il met son ulti, il ping où c'est. Wailers qui met sa flash. Lui il les a flash déjà une première fois. Ouais. Il met sa parano derrière. Bien joué, mon Wailie. Bien joué, mon Wailie. Il est à l'aspect, il s'en bat les couilles. Sacrée tête. Fait tomber deux armes. Du coup, il a eu des orbes, il a son ult maintenant. Elite. Et j'imagine que ouais, Kutchener, il a gardé une vandale. Ouais. En parlant de coupe, il s'est fait une belle coupe. Takas, c'est toi alors? C'est quand la buzz cut, frérot? Parce que tu l'avais promis pour le Major 1.
T'inquiète. Non, y a rien là, c'est un replay, c'est mort. Là, tu peux plus t'enfuir. C'est fini. Non, mais c'est cool, il est en train. Seco, ton maître, parce que du coup, c'est ce que tu as dit. Oui, oui, je dois l'appeler maître pendant un an. Un an, c'est long. Je vais me raser toute ma barbe là, en dessous là, à blanc. Même ici, là, toi, barbichette. Tu vas avoir 20 ans. Regardez juste une moustache. Oh, ça tira bien. Je te jure que ça tira bien. Je l'ai jamais vu comme ça. Et la dernière fois que j'ai rien eu ici, je pense que j'avais 16 ans. Oh putain, j'ai hâte. Bah, vous savez quoi, on fera la buzzcut le même jour que ça. Ce sera parfait. Bah, peut-être la semaine pro, match contre cassé, c'est peut-être l'occasion. C'est peut-être l'occasion aussi de lancer d'autres choses pour les fans de Mute. En tout cas, en tout cas, on a une prise à. Attends. C'est un fake? Il est tout seul, les gars. Ouais, il est seul, mais tout le monde arrive sur lui. Regardez, mais regardez, tout le monde retaille. Le B se vide. Regardez, ils sont en train de se casser ici. Allez, barrez-vous. Attends, le B se vide. Appuie sur contrôle. Non, là, il se doute. Comme on n'a pas eu de bruit de bombe, il s'arrête. Contrôle, et le problème, c'est qu'on n'est pas allé assez vite, du coup, pour activer. On n'est pas allé assez vite. En fait, on se revoit, ils sont en train de se dire. Attends, il est en train de dire. Il a l'espace et les gars ils sont pas venus. Ouais. Ils sont pas sur moi. Attention, il y a un mec qui est déposé short là pour A là. Faut pas être naïf, les gars. On a le temps. C'est mieux, tu vas te mettre des. Attends, il va décaler. Ouais, c'est bizarre parce qu'en fait, ils ont joué bizarrement en face et je pense qu'on s'y attendait pas. Genre, on actionne en A, mais personne vient nous contester. Là, faut être méthodique, faut décaler. Peut-être qu'ils ont compris qu'ils ont. Attention, s'il vous plaît, regardez-moi cette dessus. Non, il en a un. Okay, c'est bon, il en a pas deux. C'est bon, hop. Nathan, avec son ulti, on attend qu'il prend un truc. Il va y aller directement avec son ulti, il va courir. Malheureusement, l'autre va se cacher. Oh, dommage. Ouais, c'est bien joué. Attention, c'est. Non, c'est bon. Bête de timing. Ouais, par contre, on va jouer à deux. Non, ça ouais, pas, ouais, on s'attend pas. Vu que Beyaz est passé, on s'attend pas à ce que on s'y attend pas. Et du coup, lui, il sait qu'il y en a un qui est passé au top. Il est pas sûr. Il pense. Allez, les gars, il n'y a pas de nouveau à faire. Peut-être qu'il l'a entendu. Ah oui, Beyaz qui en prend deux. Mon capitoche. C'est fastoche pour le capitoche. C'est fastoche pour le capitoche. Allez, on continue, ça t'avait manqué hein? Ouais, de fou. Et toi, tes voitures qui volent là, c'est bon? Allez, là, non, on est heureux là. C'est bon. Tes voitures qui volent. Non, mais voitures qui volent, t'as vu ça ce qu'il y a à côté? C'est vrai. Et qu'est-ce que je suis fier de ce monster. Mais lui, avec ses pioupiou, il en a trois. Ah ouais. Trois. Ok. Les gars, qu'on se tombe en attaque, c'est big. Hein. Je vous le dis. Non, lui, comment ça, il a ult? Qui a ult? Je crois qu'il y a eu un ult mystique sans faire exprès pendant qu'il s'est checké. Genre, il a checké, il a remis ses mains sur le clavier. Mais non, je crois que c'est un ult sauva. Non, je te crois pas. Ah, tout le monde dit ça, on a même pas fait attention. Ah, c'est génial! On a trop flatté le capitoche et voilà quoi. Il a pas besoin de ça. Il a pas besoin non, de ça. Non, en fait, il leur montre, en fait, c'est mental. Il leur dit, les gars, j'ai même pas besoin d'ulti pour faire un triple en fait. Les gars, il y a 5 ans, vous êtes no en défense, need. Les gars. Wake no up. Need. Attends, on a no need. De toute façon, dans tous les cas, je vais aller refaire 8 kills, t'inquiète. Mais s'ils sont forts, nous on se débarrasse des ults en fin de round. C'est comme ça qu'on met la pression. Bah non, j'aimerais bien voir un replay sur la gueule qu'il a fait quand il s'est rendu compte. Ça doit être très marrant. Ah, bordel. Ah, c'est très drôle, mais c'est depuis ça qu'il est sur le quai du métro à Saint-Lazare. Il a vraiment eu le temps. Il a vraiment eu le temps. C'est sa tête qui l'a fait ça. Est-ce que j'ai vu faire ça? Ouais. Il a fait. C'est pas grave, ça va détendre l'atmosphère. Okay. Là, on pas est dans un round fort pour. On est dans un round fort, mais je pense qu'ils vont le mettre prochain parce qu'ils ont 4 PCE, les gars. PCE, pas cet écho. Ils vont le jouer prochain, j'imagine. L'équipe adverse est en. L'équipe adverse est en écho. Ils ont 4 trucs, logiquement, ils vont pas les claquer pendant un round écho parce que ça serait les dépenser. Pas forcément à bon escient, donc ça va être une écho classique. Souvent les joueurs jouent stacké et avancent tous ensemble quand c'est une écho. Là c'est pas le cas. J'aime bien la profite de l'ascension, mais bien sûr, attends, il est là. Hein. Ouais, bien sûr, il est là. Bien sûr, il est là. J'aime bien. Il est là, mais profite du spectacle. Il est là, il est énorme en vrai. Il est gigantesque. Attends, on a vu Pora, ils savent qu'on est short. Attends, parce qu'il y a quand même un ulti Jet, donc Jet elle a quand même ses couteaux. Les gars, vous êtes allés piocher dans la roche. Il est ici. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Vous m'avez sorti un. Par contre, c'est un con. Ouais. Bah, y a un. Après, la taille fait pas le compte. Hein. Oh, la tête qu'il a pris, ta casse. Oh, il doit être vert. Moi, je rigole avec les trophées. Tout oh, ça, mais... la tête qu'il a pris, ta casse. Putain, ça se fait pas, franchement. Ça se fait pas. Oh non, ça se fait pas. C'est pas juste. Mais attends, c'est pas vrai. On arrive en B. Il y a deux personnes. C'est surtout la Jet. J'aime pas ces prises mid. Je les aime pas. Ouais, je le dis. Elle me. J'ai l'impression. C'est surtout la Jet qui me fait peur avec Kunai. Magnifique. Nathan, mais tu seras pas. Franchement, on dépose super bien nos joueurs. On dépose trop bien nos joueurs, ouais. Ouais. Mais par contre, du coup, ils savent que. Hey. Oh là là. Nathan, il va y aller. Tire pigeon, boule. Pas. Il a quand même pris un, mais. Écoute, on prend.
On a transformé un 4v5 en 3v2, les gars. Ok, on a mis l'ulti. On a mis l'ulti de Megan pour avoir l'info. On est dans la smoke, on les voit partir vers le milieu. Ils vont aller jouer, ils vont aller prendre les armes. Ils vont aller prendre les armes, on va s'en douter. Mais on n'est pas bêtes, messieurs, dames, on n'est pas nés de la dernière pluie. Reveal. On n'est pas les plus cons du tiroir. Regardez comme on les attend, regardez. Bah, normalement, ils n'ont pas de flash, normalement, on est bien. On a quand même peur dans le dos. Logan qui prend un Logan premier, prend le deuxième. Et bam, ne s'y attendez pas, Wayly. J'aime bien. Là, magnifique. On joue ensemble. Là, on prend des lignes croisées. Là, ça non, communique. Là, gars, voilà. Ça joue super bien, les gars. Ah non, c'est un autre visage. Ça, c'est le visage de ce putain de roster qui est merveilleux. Je vous aime, les gars. Wow. Voilà, putain, ça allez, fait on plaisir. On continue. On ne doute pas. On reste nos leçons. Là, on a un double stomp. C'est un stomp macro. Et la micro, elle est à la hauteur de ce qu'on sait faire. Sûr, donc, en fait, forcément, voilà. Là, on connaît notre objectif, on sait ce qu'on doit faire sur la map, on applique nos leçons, c'est beau. C'est vraiment, c'est beau. Non, ouais, faut que ça continue. Voilà, on a un très grand attentat qui pète vraiment ces duels. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais tous nos rounds là, ils finissent. On est 4 en vie. C'est vraiment des rounds maîtrisés. Ah, attention, parce qu'en face, ça a pris un sniper. Ah, ça peut solutionner à l'aide d'un opérateur, n'est-ce pas? Du côté de BBL. On a souvent eu des problèmes sur la map. C'est en BO1, non, c'est en BO3, les gars. Ouais. Il veut envoyer ce qu'on appelle une pop flash exactement comme ça pour que Killjoy décale juste après la flash. Mais ça passe pas! Elle va quand même en prendre. Ouais, mais un pour un. Ouais, mais c'est plus avantageux, les gars, pour l'attaque de trade kill que pour la défense. Ouais. Il lutte pour cancel le push, sauf qu'on s'est barré, on avait capté, mec. En fait, vu qu'on. En fait, ouais, mais les gars, c'est normal, on a vu la pop flash de KO. Au début du round, il check qu'il a son ult en face. On savait qu'il a lutte pour counter le push. On a rota aussitôt que possible. C'est super smart. Ouais, mais du coup, là, tu vois, on s'attend, regardez la minimap. Ils sont certes 3 en B, mais nous, on check vraiment tous les corners. Tout à l'heure, ça nous a un peu surpris, là, justement, qu'ils push. Ils ont perdu du temps, mais on sera sûr. Ouais, mais ils ont all-in le B. Ils ont all-in le B. Donc on a raison d'être prudent au cas où ce qu'on vient de faire a été anticipé, tu vois. Moi je préfère qu'on soit trop prudent que pas assez. Là il y a un monde où ils sont encore 3 en 1. Taka, s'il est passé, BP. Ouais, il s'est TP dans la smoke de Whalers. Il a mis une flash à la sortie, on n'a pas vu, hein, mais. Bah, ce mur là, ça passe pas la fantôme, Razy. Super. Ah non, mais c'est super, les gars, ce qu'on vient de faire. Très bien joué, très bien. Non, c'est très bien joué, c'est super. Ils sont à 1 8 de Sova, mais pour la fin, ils sont à 7. Ils ont un paranoïa. Ils vont potentiellement pas le jouer, hein, parce qu'ils ont une AWAP, donc si là on arrive à faire un kill, il y a un monde où ils partent éco. Ils ont une paranoïa. Attention, ils reviennent vite là. Là, ça va être une grosse retake. Ça va être une grosse retake. Qu'est-ce qu'ils ont pour. Le couteau a annoncé qu'on était 3 sur BP. C'est énorme. Ils savent. Mais. Ok, on a delay. Attention. On est flash, on est flash. Il a pas été vu. Non, dommage. Attends, ça se met. Non, ça va être compliqué, les gars. Ouais, dommage. Belle retake. Très belle retake. Alors, si jamais, les gars, pour ceux qui jouent pas forcément à Valorant, alors on le voyait sur l'écran de Beyaz, mais il était flashé. En fait, quand vous voyez le petit truc qui tourne en plein milieu de l'écran, c'est que lui ne voit absolument rien. Ouais, il voit blanc. Ouais, c'est Taka, c'est pour ça qu'il a pas tiré. Dommage. Ouais. Dommage, il avait pas été vu. Putain, je suis dégoûté. Dommage, on avait fait un super round. Leur retake, elle est passée crème. En fait, c'est le couteau nous met trop dans le mal. Parce que du coup, il annonce qu'on joue la bombe. Ouais. BP, tu vois, plutôt que la jouer le jeu en dehors. Oh. Ah ouais, il a eu beaucoup de réussite lui, sur ce round. C'est pas, les gars, y'a rien. 6-2. Ils ont encore là où. Il fait sur ses 3 kills, il en fait un en étant parano. Sur ces 4 kills, ils ont plus la WAP. Sur ces 4 kills, il en fait un en étant parano et un à travers la smoke. On va décider de faire le petit timeout du côté d'Exist. Ouais, pourquoi pas. Franchement, c'est le moment, non? Ils viennent de mettre un round. Franchement, ils ont mis un très bon round. S'est mis dans une galère, je t'ai déposé les trophées. Depuis tout à l'heure, t'en as un dans chaque main en mode. Pourquoi pas? Il bouge sa tête comme ça. Y'a Matsé avec lui? Ouais, y'a Matsé. Ah, j'avais pas vu qu'il était là. Y'a tout le monde. Ah, y'a Matsé, les gars, notre assistant coach. Mais il est pas toujours là parce qu'il vit pas à Berlin. Ouais, c'est du BO3, les gars, pour ceux qui viennent d'arriver. Et là, pour l'instant, on est en train de BBL, c'est dominer sur l'attaque. 6-2 face. Je suis très content qu'il y ait Matsé. Ça me rassure. C'est un peu moins d'un an, il a été papa. Ouais. Un peu moins d'un an maintenant, parce que c'était juste après la chanson. C'est ça, il a rejoint le Papa Gang. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas bougé à Berlin. Mais je le vois, je suis sûr que c'est un bon papa, Matsé. Il a une présence rassurante, il a une présence à la Brox. Il vient avec son bébé, sa femme. Allez, c'est parti pour ce 9e round sur 12 pour ce premier side. Okay. Alors là, ils ont gamble le A. Dommage, il y a presque le kill, Takas.
are we going to do to break through this? I think one cool thing about Yoru on this map is that just sending up that clone and breaking that alarm bot at middle is going to be something that is going le to allow. Le boom bot est pété, du coup ils vont devoir toujours avoir. Attention, attention, Rizzi là la ligne, et c'est pas le dernier des cons. Il y a le, il y a le. Ouais, y a le oh, c'est très bien joué, très bien joué. Killjoy se montre pas. Ouais. Ouais, c'est celui au-dessus qui pète le drone, il se casse et c'est Killjoy qui reprend la ligne. Du coup Takas qui attend pas. C'est pas la com qu'il a eu, ouais, justement. C'est super bien joué. C'est vraiment super bien joué de leur part. Oh là là. Oh, waouh. Wow. Ça marche pas du tout. Bien joué. Nathan okay. qui va cross la smoke et qui va directement tuer la Killjoy. Oh, qui la va Molly, elle fait du bien. Molly. Et il attend, il est pas con. Ouais, il est pas. Parce que là, le problème, c'est qu'il prend l'espace, mais il est tout seul sur le BP. Il est tout seul sur le BP actuellement. Mais eux le savent pas. Hein. Eux le savent pas. Et ouais, on a le spike et. Attention, il a très bien réagi là. Il n'y a pas d'examen ce soir. Attends, il s'est fait oublier Natank ou pas? Non, impossible. Ah, c'est bon, ouais, bien joué. Ouais. Il se fait coincer. Wally qui est là. Wally qui arrive en renfort, qui pose. Natank qui est en place. Là, attention, là, Natank, il va falloir être patient. Ouais, Logan qui est, c'est Logan qui va avoir un gros taf à faire. Hein. Ouais, Logan qui va devoir. Il peut potentiellement arriver dans le dos, mais ils vont s'en douter en face. Ouais, il va devoir bien gérer son timing. Et on est en 3v3 ouais. Avec deux personnes on-site. Ils vont potentiellement aller décaler en première, Logan. Ah, non. C'est pour ça que cette pause, elle est. Eh ouais, dommage. Dommage. C'est pour ça que cette pause. Attention le 1v3, clutch de Wally. Dommage. Ah, dommage. Ils ont super bien. Ah, ils font des belles retakes. Ouais. Hein. Ils font des belles retakes. Hein. Ah, c'est le risque de la pose de Nathan, mais ouais, en même temps, ça passe. Mort. C'est la pose du mort, ouais. Parce que si le mec. Quand t'arrives, tu pré-shot direct. Tu pré-shot. Si on sait jamais, ça me coûte rien et je suis assez protégeant, en vrai. Et puis de toute façon, ils savent que je suis là, autant que je tire ouais. Dans cette caisse. Ils se doutent bien qu'il y a un mec qui va passer là tôt ou tard. Ouais, tu vois, ça c'est ce qu'on disait au début là, ce play il était très bien joué. BS qui prend une bonne décale. Attends, ça crie Gentleman ou je rêve? Ou ça crie bébé L? Non, mais peut-être vraiment, je suis sérieux, je sais pas. T'es un très bon supporter toi. Bah non, mais j'entends pas. Aïe, 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 je sais pas. Qu'est-ce qu'on a? On a Ulti Nathan, Ulti Wailer. C'est dommage que là on a perdu deux rounds qui étaient winnable. Ouais, qui étaient winnable. Totalement. Ça fait chier, ouais. Ça fait chier. Mais après, on est toujours pas en écho. On était vraiment très riche. Mais voilà, maintenant, on va falloir. Il y a peut-être un moment où on est en écho après ce rendant. Si jamais on n'arrive pas à le mettre. Vous voyez, lorsqu'il n'y a plus de thunes. On va mettre beaucoup d'activités en B. Ah, c'est un bon gamin en plus. Hein. Ouais. Ils sont 3 en A. Là, c'est vrai que si on push, on est pas mal. On a l'utilité Takas. Est-ce qu'il va le mettre pour aller prendre les infos? Ou est-ce que c'est de la merde? Ah, c'est Trivial là qui est. Oh, il a rien. Non, il décide de garder sa Reveal, le Sova. Dommage, il aurait peut-être dû. Ok, on sait qu'il y en a un CT, on sait qu'il y en a un sur site. Il va aller où Takas? Il va se mettre backside évidemment, ouais. Attention, il le sait, le Sova. Là, il est en train de dire lane, Sova lane. Ouais, c'est bon. Magnifique ça, les gars, c'est bien isolé. Très très bien joué. Très bien joué. On va quand même du coup. Et Takas a TP main. Takas il a re TP main, c'est très bien. Allez, là faut les retakes, là faut jouer ensemble. Allez, les gars, faut du trade. Faut pas qu'on se reprenne une retake, c'est bon là, on en a marre. La pose du mort, il n'y a plus personne. Non, je peux te dire que c'est un No Man's Land derrière la caisse. Ouais, je veux dire que. Ouais, carrément. Ok, pop flash pour mettre la flash sur la décale du Omen lane. C'est bien joué. Deuxième flash, c'est bien joué. Et là, attends, il y a Takas qui arrive dans le dos. Non, Takas s'est fait attendre. Oh non, ils ont fait tous les. Oh, 2v1. 2v2, pardon. Non, les gars, allez, les retakes. On se prend trop de retakes là. On se prend trop de retakes. Mais attention parce que BBL qui est en train de remonter, hein. Mais attends, mais comment on se prend autant de... On vient de se prendre 3 retakes de suite. C'est terrible. On est un peu trop passif, je trouve. Ouais, je suis d'accord. C'est qu'on est un peu trop passif, on est trop dans l'attente. C'est dommage, on en fait 2, tac. Ah, c'est dommage. Ah, on est trop dans l'attente. On est trop dans l'attente. Ouais, parce que là on était 4v3, hein. 4v3, on s'attendait potentiellement à un mec dans le dos, mais il y avait le trap de Logan. Attends, Logan peut-être qui était mort, je sais pas. Bah, quitte à prendre un risque, faut. Ah, il est pas mal le couteau là. Oh le nerf! Oh, le joueur pro. Attention, je crois qu'il y en a un wap là, il y en a un wap au top. Faut pas se déconcentrer, Allez les gars, attention à cet AWAP. Putain, on a pas l'info, hein, je crois. Ah, pas l'info. Ils avaient la wap le round d'avant? Non. Ouais. On va drone. Ok, là maintenant, okay, on a l'information. Attention à Brave. Ils mettent beaucoup de stuff pour cancel ce push. Pendant ce temps, t'as Logan et Wailers. En vrai, on va finir en B, les gars. Le spike est en B. Ouais, c'est tranquillement, sauf que là, il y a la tourelle de Killjoy qui va donner l'information. Ouais, ça fait chier.
Ouais, Sova, il est retourné en B. Après, accéder au site, j'ai l'impression qu'on y arrive globalement, mais c'est vraiment tenir le site après qu'on est. Ouais. Et je pense qu'on est trop passif. Peut-être, ouais, peut-être. Et en même temps, si on faisait l'inverse et que ça passait pas, on dirait on est trop agressif. Non, non, mais pour l'instant, on est joué bien, attention, hein, parce que du coup, il y a eu Ticket Joy. Hein, et soit faut aller le chercher, soit. Comment va je suis là. Qu'est-ce qu'il fait, Nathan? Comment on va prendre le corner, on va patienter. Et là, ils vont tous venir, hein, c'est le moment, l'on objet. Ok, la manite, ça a très bien anticipé. Attention, attention, faut une smoke là. Attention, attention. Oh, oh, ça c'est impardonnable, on va essayer. Il a loupé. Au fond, faut poser la bombe. En seconde, faut aller le chercher. Oh, la flash. La pop flash encore. Vite. Situation de 3v2. 3v2 les gars, allez là. Il a temps ou pas? Non, il a pas le temps, Ouais, c'est bon, c'est revenge. 2v1. C'est posé pixel. 2v1. Molly pour delay le stairs, attention. Oh non. Allez Nathan, joue le scratch, t'es un boss. Let's go! C'est important, c'est la Nathan qui va sortir du coup le trip et qui va gagner son 1v1. Arrête les gars! Ce que je comprends pas, c'est qu'on joue super bien du coup tout ce qui est macro, etc. Nos strats pour poser la bombe, elles sont pixel. Mais effectivement, les retakes, dans les retakes, en effet, on est un peu passif. T'as raison, Brooks. On est un peu passif dans les duels. Et moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis, je peux vous dire qu'en Diamant 3, les retakes, elles passent pas comme ça. Diamant 3? Diamant 2. Ah, oh, c'était ma belle époque ça. Mais tu joues moins en ce moment. Mais parfois, il est meilleur qu'avant. Je joue plus du tout. Ah, il est meilleur qu'avant. Ouais, c'est vrai. Mais tout le monde est meilleur qu'avant. Non, mais c'est vrai qu'on joue un peu avec la peur quand on a posé la bombe. Quand on a le site, ouais. On a peur de commis. De toute façon, faut pas. Allez. Bonne okay, magnifique. Là, c'est bon, ça va couper directement. Ah, oh, dommage, juste à côté, mais en fait, il y a un outil aussi en face. Oh là, la bataille de. La bataille de Legolas. Ok, on a déposé ta casse. Ah, est-ce qu'il va se TP out ou pas? Il attend potentiellement. Bah, pop flash. Là, il aide ta casse, tu vois. On voit, il est en train de com, il donne des infos. Là c'est ta casse, je crois qu'il vient de faire un call. Ah, c'est un judge dans la smoke, ouais. Ouais. Ils sont 3-1. En fait, c'est le mid qui délaisse totalement. Qu'est-ce qu'on a comme. Est-ce qu'on a un ulti? Attention, ouais, heureusement le drone il va capter le. On l'a vu. C'est un pont? Ouais, GG. Attends, il y en a un deuxième sur BP, On va se faire avoir. Oh, il s'est loupé! C'est bon! Super. Parfait. Allez les gars, magnifique l'activation. Tu vois, on fait parité. On va mettre l'outil directement, on va voir que les deux arrivent. Non, on va être 3v2 les gars. 3v2 les gars, situation, c'est pas possible. C'est parité, c'est possible. Allez, si on finit en 8-4 l'attaque, on est vraiment royal au bar. On est vraiment très très bien. Wailer il est très très low, donc c'est 2v2,5 on va dire. 2v2, un tiers même. Il met très vite des têtes ces mecs là. C'est quoi la map, les gars? Vous pouvez voir en haut le petit logo, c'est la map de BBL. Ouais. Et nous, on a pris Sunset, une map où ça s'est très bien passé pendant le kick-off. Ah oui, putain, on a vécu des super choses avec Brooks à Berlin sur Sunset. Let's go, le deuxième, on sait qu'il est là. Lâche, on laisse un deuxième. Okay. Parfait, voilà. Les gars. Ouais, c'est un mort vivant, mais dans. Ouais, c'est vrai que c'est un mort vivant. Il y a vivant. Et oui, ça, je m'en rappelle, c'était la phrase clé. En vrai, les gars, c'est pixel. Il y a un rang où on s'est fait un peu déchirer, ouais. Sinon. On aurait pu leur mettre facilement 10-2. Honnêtement, on aurait pu leur mettre 10-2, je suis d'accord. Mais j'aime beaucoup comment on joue. En fait, j'ai l'impression que sur 10 games, en jouant comme ça, même si oui, là on peut trouver dans l'instant T, on est un peu hésitant, on est un peu passif, j'ai l'impression que sur 10 games, c'est ce qui nous fera le plus gros win rate, tu vois, ce playstyle là. Donc en fait, je suis content quand même. On est en 8-4, en attaque sur Ascent, les gars, bon. On est bien. Je pense que le rang, vous savez, où Nathan qui est passé tout seul sur BP, on savait pas trop ce qui se passait. Ouais. Je pense que de base, en fait, les autres, c'était vraiment tous, ils avançaient tous en slow à droite, et en fait, Nathan qui prenne son duel ou pas. S'il le perdait, limite c'était pas mieux. Mais s'il le perdait, Killjoy aurait dit c'est sur moi, machin. Et en fait, on aurait eu le free BP. Ouais. Donc en fait, vu qu'il a gagné son duel en sortant de la smoke, ça a un peu tout faussé. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, c'est en mode, mais les gars, j'ai gagné, c'est bon, il y a personne sur le BP. On va loin. Une question, les gars. Il y a moyen, on coupe la clé, ou elle est moi en Audi, c'est optimal. En fait, mais je sais pas comment vous faites. Moi, je suis très fatigué. Là, t'es bien là? Moi, je suis très fatigué. C'est quoi cette marque Daikin? Mais ils ont pété les plombs, eux. C'est glacial là. Ah, moi, je suis très très bien. Je suis trop fatigué. Non, mais mec, même en Audi, je la sens, j'ai froid, je te le dis. Oh putain, attention.
Non, classique à 8, c'est bon, et confiance, c'est terminé. Ah, il y a eu beaucoup. Attention, on prend 2, on va peut-être en prendre 3. Non, dommage. Attendez, du coup, situation de 2v3, on peut le faire, surtout que il y a le cautionnaire qui est vraiment très low. Il est mort vivant, mais attention, dans mort vivant, il est aussi mort. Donc il y a peut-être un monde où. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Quand ça nous arrange. J'ai l'impression que c'est quand ça nous arrange, les mecs. Attention. Allez, s'il vous plaît, soyez monsieur. Moi, corner directement. Voilà, monsieur, okay, corner. Ouais, c'est bien, ça c'est clean. Oh, là, bas s'il y a un mec lane, c'est clean. Et on peut le mettre, hein, mais le mec B-main, il est assassin. J'aimerais bien qu'on clean ils le B-main. Ils ont une bonne ligne. Non. Oh. Oh. Allez, les gars. Oh, un verre. Il sait qu'il est au bout. Il le fait, c'est le meilleur joueur du monde. Des deux sans ça. C'est le meilleur joueur du monde. Allez, t'as fait beaucoup d'aides trop fort en dempro. Non. Dommage. Dommage, c'était presque. Dommage. Bon, par contre, BBL, il sent que ça va être une game où ils vont s'en battre les couilles. Ça va être 5 man directement qui vont empêcher le BP. Et va falloir contrer ça. Ouais. Ah ouais. Ah, Logan, là, il avait la pause maudite. Oh, dommage. Hein. Takia Stack a presque fait un triplé, putain. Une balle dans le corps, il était lancé. Ah ouais, il a mis un beau tout tap. Il a mis un beau tout tap. Tranquille. No strike, y'a rien. OCE, cette écho on va la mettre, je vous le dis. Cette écho elle est gagnée. Il y a du classique M8, ça veut dire elle est gagnée, je vous le dis direct. Mais j'ai que ça. Si, attends, Takas il a quand même pris un scout. Il y a Logan qui a un deagle. Il a pris un scout. What the fuck? Mais ils ont des mini shields en face, ça a pas one shot. Il tire dans la tête. Puis. Attends, on va peut-être avoir un timing, on cross la smoke au moment où. Ah, pause maudite, non, attention. Ah, waouh, ouais, non, là c'est pas passé. Là. Dommage. Ouais, c'est compliqué. On va attendre la bombe pour. Ouais, on veut pas donner d'orme. Ouais, mais après, ils vont sûrement nous push. Hein. Ils savent qu'on veut mourir avec la bombe. Ouais, regarde. Voilà. Ils sont tous là. Ah, il avait mis, je crois, sa balle de scout. Il l'a mis. Il a mis sa tête. Là, le problème, c'est qu'on donne beaucoup d'ordre. Je comprends pas pourquoi on tente une récup en 3v5 alors qu'ils sont en place, c'est planté, on est en écho. Ça fait 3 orbes free, quoi. Voilà. 3 orbes gratos. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non, il y avait un plan. J'avais forcément un plan. Bah, mais... En fait, vu qu'on avait un scout, on a tenté de faire tomber des armes en face, de faire acheter. Ah. Ça s'est pas passé. Après, c'est des orbes du petit seulement, tu vois. Ouais, c'est pas grave non plus. Mais là, on achète. C'est pas grave. Mais si, y a quand même des gentlemen. Hein. Mais je crois. Allez, les gars. Je crois, mais on voit pas. Ils font pas de plan sur le public là. Et ça doit être à moitié vide, je pense. Bah là, en saison régulière. Ouais, bah ouais, premier match de saison régulière en vrai. Mais merci aux gens qui sont allés sur place. Merci aux mates sur place. Vous êtes des boss, putain. C'est incroyable. On vous voit pas, mais on vous entend. Alors, Parano, il y a une grosse prise. T'as vu, c'est vraiment pas prise de tête. Hein. Nous, on est là. Mais frérot, j'ai l'impression que c'est une game d'ascendant. Je vous dis la vérité. Enfin, comment ils font des prises Ah non, ils sont pas prises de tête. Hein. C'est... Bah, attention, tu l'as dit, c'est une équipe turque. Ouais. Ah, ils en ont rien à foutre. Non, ça va nous montrer comment on fait nos retakes, les gars. Et attention, parce que du coup, ce genre Jogan de. Jogan, il prend le premier kill. Prend très gros kill. Attends, après, on déteste ce genre de. Jogan, il prend le premier. On sait qu'il y a quelqu'un en dessous. T'as qu'à ce qu'il prend le troisième. On est 5v2. 5v2, 5v2, les deux sont main. C'est pas planté, hein. On a le spike sur le site. Non, c'est pas planté. C'est parfait. C'est quel vide de roi. On les a bien dégagés du BP. Ah ouais, on leur a dit dégage de là. Maintenant, si on. Faut faire attention à leur style de jeu, parce que ce style de jeu, je sais qu'ils nous avaient dérangé. On le déteste. L'année dernière. Tu vas parler de Wild sur Lotus. Wild. Ouais, Wild sur Lotus, JL sur Bind, qui nous faisait ça, ou pas prise de tête en mode, les gars, on va 5B, go. Et c'est vrai que c'est un gameplay qui pouvait un peu nous déranger. Ça va perdre trop d'armes. Après, Elite, il a un HP. Hein. Il donne son arme, ah, Nathan, que le problème, c'est qu'il a un HP. Takas, il est le mid-life. Ils vont le tenter? Non. Ils vont le tenter, ils ont rien à perdre, c'est en bonus. Bah oui, les gars, merci pour les orbes. Un HP, mais un kill. Bah ouais. Et une orbe en plus, boum. Allez les gars, 9-6, on est bien. Faut continuer. Ah, sur celui-là, là, on est bien. Ouais, là, c'est un bon important, les gars. Bon, très important, parce que du coup, c'était le bonus pour eux. Là, ils vont pouvoir acheter full. Faut tomber deux armes en bonus, en vrai, c'est ok. C'est régular, ce qu'ils ont fait. Super, les gars. Ouf, oh, il l'a sauvé, l'ami. Ouais. Ah ouais. Quand tu vois le mec qui va dans ta tête en mode oh, oh, oh,
Oh yes. Ouais. We're grouping up and as soon as we all get here, we're going. Allez. We still have our paranoia. We still have our drone. Allez. Setup MI. OK, on va laisser le gars tout seul en avec son setup, sa fantôme. Ouais, on la connaît, sa fantôme. Ça fait une prise mid, ça va finir en A, je pense. Là, nous, on a, j'aime beaucoup la position de Wailer, c'est Nathan. Malheureusement, je pense que ça va pas arriver sur eux. J'ai l'impression qu'ils vont plus s'orienter au niveau de cette short et du A. Ouais. Ils ont quand même le Omen hein, qui va essayer de gérer le mid. Après, là, il entend le drone Sova, Logan, il peut donner l'info. C'est que là, Garden, on a vraiment personne. Quoi. C'est-à-dire que c'est Logan tout seul. Open. Ouais, mais non, il y a Sova qui peut. Il y a Beas qui peut vite arriver Garden en vrai. Hein. Il y a l'ult de KO qui va carry le. Mais ils savent logiquement. Il touche ou pas? Il le touche. Il a pas touché? If this hit does continue to come in, they're not even il attend le gars. Il va push ou il va attendre? Qu'est-ce qu'il fait? Allez, on peut faire une belle retake, les gars. Ouais, c'est KO, attention, parce que là, il y a le petit KO, ça peut être chiant, ça pose la bombe. Mais au moins, on sait qu'ils sont tous là, on va devoir du coup retake. Alors attention, parce qu'ils sont un peu positionnés. Il y a Killjoy qui a toujours le mid. Ils vont jouer dans un second temps, faut aller clear le mid. Oh, c'est Wailer. Attention, ils vont jamais douter qu'il y en a deux. Ouais. Et ouais, Wailer c'est mort. Attends. Derrière. Ouais! Oh, Tandrea de fou! Oh, mais Nathan qui est mort! Ouais, let's go! Il en reste un, allez les gars, il en reste un, on y va. Heureusement, il a tué avec le classique M8. Les gars, bye, bundle. très beau rebondissement. Ouah, là, on se prenait sur une, je vous explique, je quittais la pièce. Je vous le dis direct. Non, mais heureusement. Que, me semble... Le mec, il a une vandale, il se prend au pif. Emblématique oui, cassé. Cassé, oui. Je crois que c'était BBL en face. Ouais, il me semble aussi. Non, mais c'était pas pareil. Ils sont arrivés un par un dans sa ligne. Là, les trois sont là, il fait juste. Et ça va dedans. Attends, c'est pas pareil, frère. Attends. Ah ouais, non, c'est trop stylé. Comment il le tue, Nathan? C'est trop important de voir comment il le tue, Nathan. Mais regarde, c'est pas pareil. Regardez. Bah oui, mais c'est magnifique, c'est normal. Ouais, mais c'est classique M8. C'est classique M8, les gars. Bye de classique M8. C'est vrai qu'on a pas réussi à tuer avec des vandales, mais par contre, des classiques M8, ça a été radical. Frère, c'est ce qu'il vous dit. Jetez vos vandales, prenez les classiques. Les gars, quand je vous dis que je décale des opérateurs, c'est. Ouais, je ne rigole pas. Il y a eu zéro spray au hasard. Les gars, vous êtes sur une watch party, les gars, où. Quand ils vont faire des kills bien, eux, ça va être de la chance et nous, ça va être incroyable, ok? Donc, on sera pas objectif ici, ok? Non, mais les gars, c'est objectif de minute, il a full spray, arrêtez vos bêtises. Il a spray, il a bougé son crosshair, ça a tué tout le monde. Mais moi, je suis full objectif. Achetez le bundle. C'est vrai. Mais on a fait un vrai 3v1, on est tous les trois devant lui à lui tirer dessus. Ah ouais, non, juste contre, nos balles. Nos balles, elles vont autour de lui et lui, ses balles, elles vont sur nous, c'est tout. Allez, là, ce serait bien de PCE, les gars. PCE. Non, un spray transfert, c'est pas ça, les gars. Un spray transfert, c'est papa, c'est ça, un spray transfert. C'est pas comme ça. Ça n'a rien à voir. Si, spray transfert, si, c'est plus. Non, c'est papa, c'est ça, un spray transfert. Tu tires, tu retires. Non, c'est tu tires, et pendant que tu tires, tu repars sur l'autre personne. C'est le premier truc. Tu transfères tes balles. Putain, t'es Head of Valo, mec. Tu transfères tes balles. Papa, c'est. Ouais. Mais va voir, il y a Nikov là-bas, je crois qu'il teste. Vas-y, t'inquiète. Ouais, vas-y. Il a dit depuis le début, je serai pas Fortnite. Moi, je veux jouer avec les bagnoles. Tu veux jouer avec les bagnoles. Non, mais les gars, c'est notre nouveau head of Valo. Attention, voilà, attention. Il débute. Nathan qui apprend. Il est encore classé diamant. Oh là là. Oh, mais c'est parfait. Ah. Attends, mais tu vois, t'as. Oh là là. Ok. Parfait. Magnifique. Non, t'inquiète, c'est super bien passé quand t'étais pas là. Ça a failli glisser, mais on. Excusez-moi, les gars, je suis parti m'absenter 30 secondes. J'ai réalisé que j'avais pas encore acheté le bundle M8, alors je suis allé l'acheter vite fait. Je me sens que t'es un nouvel homme. Bah, je me sens beaucoup mieux. Ça se voit. J'ai l'impression que je suis. Bah, je suis très épanoui. C'est vrai. Maintenant, tu sais ce que c'est un spray transfert. Putain, mais la vie, elle est incroyable. Vas-y, pas grave. C'est quoi un site, s'il vous plaît? J'ai jamais compris. Allez, les gars, deux rounds. Ah, voilà mon capichet. On fire.
Ok. Time out. BBL. Logique. Il y a quoi? Il y a 11-6. Ouais. Allez. Game du capitaine. Non, surtout que les gars, individuellement, c'est souvent dur de suivre, surtout dans, dans la ligue qui est la VCT, de suivre aussi bien quand tu es lead in game. Ah oui, c'est vrai. Oh, on a ce bouton magique. Oh, il est là. Ouais. C'est quoi ce truc? Mais il est là, mais le problème, c'est qu'il y a la cam au même endroit là. Non, mais attends, oui. Non, mais après. Mais que voilà-je? Mais que voici-je? Oh! Waouh! Mais il flotte! Mais qu'est-ce que c'est, les gars? Waouh! Mais je veux ça! Waouh! Il y a un petit pendentif qui est venu s'attacher! I need this! I need this in my life! Allez, les gars, parce que effectivement, il y a une petite killjoy. De rien, on a une petite acasse. On a une petite acasse. Pour l'instant, on s'en sert très très bien. Ouais, on s'en est super bien sorti. J'adore. Et les gars, on est à une orbe de tous nos ultes, je vous le dis. On est littéralement à une orbe. Pour le si on met celui-là pour le deuxième round, on pourrait très très bien, on pourrait être dans un round fort. Je pense que le plan, c'est qui a pris l'orbe. Attends, on va aller chercher. On peut ou pas? On a une... Je crois que ça le pète, hein. Je crois que ça le pète, hein. Non, je crois pas. Je crois que ça le pète. Non. Non, dommage. C'était un beau try. C'était un beau beau try. Je suis absolument mort en attendant. Oh non, attends. Oh non. Oh, il a duré. J'ai l'impression qu'il a duré plus longtemps que d'habitude. Ah, il a duré très longtemps. Je crois qu'en fait c'est le wall qui touchait pas. Je pense que ça touche. Ouais. Je pense que ça passe. Ah, le wall a pas touché, c'est dommage. C'était vraiment bien tenté. Ok, Retake 3v5, comment on la joue? Déjà, est-ce qu'on la joue? Et si on la joue, comment on la joue? C'est sûr, les gars. Sinon, il aurait pas tenté ça, les gars. Ouais, il aurait pas tenté. Il connaît son jeu. Les gars, ils connaissent le valo, hein, mais je pense qu'effectivement, le wall ne touchait pas. Ah, on se barre. Hein. On se barre. Rotate! On se barre. We out. We out of here. On se barre, on n'a pas beaucoup d'argent. Ok, on écho, on set. Allez les gars, faut finir. Faut mettre ces deux derniers rounds. On n'a pas dépensé l'ul de Takas. On va avoir l'ul de Nathan, Beyaz et Takas. On va avoir une Phoenix Soba et. Faut juste faire attention parce que Nathan il peut pas acheter, il va prendre une Guardian, mais avec son ult Guardian. Oh, méfie-toi, une Guardian sur Nathan, c'est quelque chose. Hein. Ouais, mais pour courir sur les gens. Parce que justement, avec une Guardian, tu peux pas faire de stress en frère. Qui a entouré le. Ah, mais c'est eux en fait. Ouais. Ah, mais c'est toi tout à l'heure quand t'as dit qui a entouré, en fait c'était eux. Non, c'était vraiment nous. Non, c'est vraiment nous. Ah bon? Parce que moi je vais contrôler, c'est parti. Ah. T'inquiète, moi, Edof. Ah, je perds la tête, t'inquiète. Trop d'e-sport, les gars. Je perds la boule. Non, c'est vrai qu'en ce moment, on mange très très bien. C'est le plaisir. Ah ouais, on mange bien. Oh, alors, il a vu tout le monde, il est en mode bon, les gars. Il va tenter un move? Non. Oh, avec l'ulti? Il leur ping aussi? Oh, c'est super, il leur ping exactement aussi, du coup, avec son ulti. Oh, le combo Yoru! Il a dit le sauvage sur mon clone! Ah, je te jure, il est en mode. Oui, c'est ça! Mais quoi? Il a dit tire-moi dessus, en gros. Il a dit ult mon clone! Oui, mon clone, ult sur moi. Et je mettais sur la ligne des mecs. Ah, c'est génial! Ça, j'aime ça, tu vois, ça c'est de la belle micro. Ça, j'aime beaucoup. Ah, tu peux aller même plus loin, c'est-à-dire que lui, normalement, il se prend pas les dégâts, il peut être en invisible et dire tire sur moi. Ouais, sur moi, mais c'est ça qu'il faisait en fait, je pense, t'as raison. Il regardait sa map et il se mettait entre. Il le voit, c'est vrai, comme il les voit, Béaz aussi, il les voit sur la map. Comme Takas les voit, ça les fait apparaître sur la map pour Béaz. Enfin, pour l'équipe, quoi. Ah oui, c'est ça. Tu sais, dès que tu vois quelqu'un, imagine. Oh là là, c'est magnifique. Tu sais, quand Jett, elle dash sur un BP. Ouais. Tu sais, elle fait gauche-droite, et si elle a vu quelqu'un dans le corner, tu vois la personne qu'elle a vue sur la map. Oui, oui, c'est ça, oui, absolument. Bah là, oui. C'est un peu la même chose. Ah oui, d'accord, ok, du coup, il peut viser plus facilement. Ouais, il faut assurer sur lui. Non, oh non, non, Logan, non, j'aime pas. Ah, je n'aime pas cette position 5v3, c'est imperdable. C'est imperdable. Oh non, attends, pas de folie. Magnifique. Ah, c'est très très bien, mais magnifique là. Ça va reprendre là. Oh, la belle tête, ça suffit pas. Balle de match! Balle de match, messieurs dames, pour cette première map qui, je rappelle, a été pique par BBL. Ladies and gentlemen. Ouais, mais ce qui me fait peur, moi, c'est que notre map, c'est Sunset. Et pour l'instant, après, on a pas joué depuis 6 mois. Non, non, méfie-toi. Non, mais méfie-toi de notre niveau sur Sunset. Ok, je me méfie.
mais en tant que head of Valorant, c'est totalement... Je vais vous expliquer toute la strat qu'on a en fait, les ennemis. C'est totalement ce qu'il est en train de faire, justement. Il se méfie là. Oui. Mais toi, je sais pas dans quel sens que je me méfie. Je le dis ici tous les jours. Parce que moi, je connais Xy, hein. Des fois, il peut prendre des maps pour s'entraîner. Non, tu vas pas dire récolter de la data. La dernière fois qu'on a dit ça, ça nous a coûté. Pourquoi exactement, hein? Pourquoi? En tout cas, la dernière fois qu'on a pris de la data, c'était sur Rocket League et regarde comment ça s'est passé. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est quoi prendre de la data sur Rocket League? Prendre de la data, c'est faire top 2 régional 1, top 8 et gagner le major. OK, d'accord. Fracasser tout le monde après. D'accord, mais par exemple, tu peux aussi prendre de la data. Attends, très joli double, il va être nul, tu vas dedans. Allez, tira, dommage. Dommage. Attends, parce que c'est suivi par ta casse, malheureusement, il va mourir. Il y en avait dans le dessous, il y en avait dans le dessous. Oh non, non, les gars. Oh, attention à pas jeter. Oh là là, il a fait travers. Ah non, c'est passé là. Oh là là, le gars qui joue. Allez, 3v1, 3v1. Allez les gars. C'est terminé. C'est terminé. Allez. On fait du bien. Yes. Map 1 mise, on est content les gars. Map maîtrisée, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, putain, même eux ça doit leur faire du bien. Je suis content, bravo les gars, ça a bien joué. C'est resté solide. Je suis content. Mate, qui ne saute pas n'est pas gentle. 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 Mate. On les entend les ultras, mais on les voit pas. Ils ont pas fait un plan sur sur les ultras. Après, je pense qu'effectivement, il doit pas y avoir grand monde, que ce soit des deux sides. En saison régulière, je pense que dans le public comme ça, parce qu'en fait, il y a deux matchs par jour. Donc si t'habites pas directement à Berlin, en termes d'organisation, je trouve que c'est dur quand même de s'y rendre. Dur, les gars. Là, j'aimerais tellement qu'il y ait des compétitions qui soient genre chez nous, en plein Paris. Ouais, ce serait incroyable, waouh. Mais tu sais ce qui est incroyable? Non, mais dis-moi. Bah, c'est ce qui apparaît sur Box. Wow, sur Box, c'est sur les deux écrans, un ici et un là-bas. On est des gros forceurs, et alors? Je reviens, je vais retirer mon hoodie, je meurs de jeu depuis qu'il n'y a plus la clim. Aïe. Moi je levais la main si jamais. Ouais. Ah là, bon, ça fait quand même du bien les gars, on se met directement dans le match. Tu reviens avec les trophées. Évidemment, on est en gros plan. T'es un petit peu un prouveur, mais vas-y, bref. Non, mais du coup, elle fait quand même du bien cette map à Seine. On a quand même changé pas mal de choses, parce que à Seine, on l'avait pas vu depuis, pour le coup, très c'est longtemps. Ça fait très longtemps qu'on a pas vu à Seine. C'est même la première fois qu'on découvre à Seine avec La dernière fois, c'était aux Ascensions. Avec le Yuru Takas, que j'aime beaucoup. Hein. Et c'est cool parce que du coup, on voit qu'on a changé pas mal de choses. Le Yuru de Takas, effectivement, qui a été implanté. On a vu un très gros Nathan, qu'il faut dire ce qui est. Nathan, que les gars qui les a détruits, qui avait pratiquement 30 kills, il me semble, hein, sur la map. Donc, c'est cool. On les voit bien on fire. Il y a eu des petits couacs, forcément, dans certaines rig tech. Mais en même temps, les gars, on est au VCT. Donc, en face, ça fait très peu d'erreurs. On n'est plus en VRL, même si déjà, c'était un très bon niveau. Mais là, en VCT, les gars, si tu laisses la moindre petite erreur en face, ils vont savoir la saisir. Eux, ils voient 3 mètres devant eux, ils paniquent pas, ils sont pas nous, hein. C'est tête si tu tires pas bien. Totalement. Mais sinon, non, dans la globalité, je trouve qu'on a super bien joué. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, Tonner? Tu fais Tonner. Ah, tu motives. Tonner. C'est vrai que tu les as motivés, tu dis, ah, ils t'ont bien suivi. Ouais, c'est vrai que tu connais bien tes mails, toi. Je les connais. Il faut les stimuler. Bon, moi, je vais me faire un café. J'en veux bien hein, aussi, s'il te plaît. Frère Roche. Sinon, en fait, tu me proposes. Et t'es vraiment bâtard. Alors, je crois que je dois être à 12 aujourd'hui, là. Non, demande-en, au moins comme ça. J'en ai. Oh, merci. Je ne savais pas ce que c'était dans ce pré-transfert. C'est la honte. Oh, la honte. Il a dit non, c'est quand tu tic-tic-tic, et après tu remets ton curseur. Il a confondu un flic avec un... Il a confondu un flic avec un pré-transfert, c'est chaud. Aïe. Oh bordel les gars. Que va-t-on faire de notre E9? Après les gars, nous on l'a pris pour les abos. Hein. C'est clair. Là on est sur sa chaîne là. C'était un petit moment pub. C'est les gars. En ce moment j'ai pas de projet moi, je peux pas trop. Abonnez-vous les gars, Gotaga. Partout. Abonnez-vous partout les gars. Partout, et puis faites-vous plaisir. Il y a du contenu. De plus, il y a du bon contenu qui est sorti là les gars, n'hésitez pas. Le ceux vlog. Qui découvrent Valo là, vous avez kiffé quand on l'a tous focus sur la partie mercredi? C'est génial, ouais, ce moment. C'était génial, c'était incroyable. Il a perdu d'un point en plus à la fin. Oh, c'est incroyable. Ouais. Ah, c'est incroyable. On le met bien. Non, on le met bien. On le met bien, petit Lucas. Ils ont mis 2-0, quoi. Team Liquid. Ouais.
Pourtant, ils ont fait leur première... ils ont déjà fait deux matchs. C'est leur deuxième match à Team Liquid. Et ils sont bien entrés dans la compétition. Ils ont gagné 2-0, assez convaincant. Et là, ils prennent 2-0. Waouh! Ouais, bah là, ça fait un petit peu peur parce qu'au vu de tous les matchs, là, t'as le sentiment que tout le monde peut battre tout le monde. Ouais, c'est donc, ça. Donc, le début de saison va être très impactant pour toutes les équipes. Donc, il va falloir voir. C'est fini, non? Il y a 1-0 pour nous actuellement, les gars. C'est du BO3. C'est ce qui a changé par rapport à la saison précédente en VRL où, du coup, c'était que des BO1. Là, c'est du BO3. Il y a deux matchs par jour. Donc, il y a des semaines où on va avoir deux matchs dans la semaine, des semaines où on va en avoir qu'un seul. Il y a potentiellement même des semaines où on n'en aura pas du tout, je crois. Enfin, c'est assez spécial. C'est une espèce de groupe qui s'affronte tout au long du coup de la saison. Et bah forcément, le but, c'est de se qualifier pour les playoffs. Donc un peu pareil, un peu le même format que sur League of Legends pour ceux qui suivent. Donc on va voir. Mais en tout cas, pour l'instant, on fait une très bonne entame de match contre BBL. Ah, franchement, la game, elle m'a fait plaisir. La game était pixel, donc forcément. Et en plus, on aurait pu la gagner avec beaucoup plus d'écart. C'est qu'en fait, je me dis que si on... Le côté où... où on joue mieux justement c'est Riktech, enfin c'est défense de bombe du coup de notre côté, là on pouvait vraiment leur mettre un score vraiment, parce qu'en plus si on met le round après derrière ils sont en écho, donc c'est le round d'après qui est aussi validé, tu vois, c'est un round contre double. Et mais en fait on arrive à chaque fois quand même dans la situation où on se retrouve en supériorité numérique sur toutes les fois où on pose la bombe, et ça c'est big. Là, on arrive vraiment à les faire tourner dans leur crâne, prendre des bonnes infos. On n'a pas été hyper naïf sur les coupes. Sur les coupes, c'est-à-dire que quand j'ai dit ça, c'était qu'en, par exemple, il y a quand Nathan qui était directement passé en A et il y a le troupeau qui arrive, il y a énormément d'espace, donc il y a quelqu'un qui peut couper le chemin des joueurs et les intercepter. Donc là, sur ça, on n'a pas été naïf. Même quand Takas est mort une fois dans le dos au début, et après les autres fois il est remort, mais il avait quand même checké le corner, et c'est lui qui a perdu le duel. Et il a été très très vite, et puis il y a des en fait on fait que du trade là, c'est ça que j'aime bien aussi. C'est que les joueurs ils se jouent vraiment bien ensemble. On s'est pris très peu de double kills, voire même pas du tout, tu vois. Nous on en a mis, surtout Nathan qui a été on fire, mais c'est vrai qu'on s'en est très peu pris. Bon, par contre effectivement le kill dont tu parlais là sur Takas, le problème c'est que du coup on était un peu trop loin après Arota, vu qu'on savait qu'il pêchait très haut, du coup on a un peu galéré, enfin tu sais on mettait vraiment du temps à faire nos j'allais dire Riktech, mais pas du tout nos rotations, nos rotas. Mais bon, le score pour l'instant 1-0 pour nous, les gars. 1-0 pour nous, on a gagné sur la map des BBL 13-7. C'était leur map, donc map maîtrisée. C'est quoi un BO3? Alors un BO3, c'est simple, c'est que du coup les lettres veulent dire best of 3, donc le meilleur des 3. Donc en gros tu vas jouer 3 maps contre une équipe et celui qui a gagné le plus de maps a gagné. Donc quand tu gagnes 2-0, bah c'est fini parce que t'as pas besoin de jouer la dernière parce que tu sais que t'as gagné le match. Donc quand on dit best of 3, du coup c'est le meilleur des 3, best c'est of ça. 5 Meilleur des 5, etc. Et exact, mais c'est vrai que des fois il y a une petite confusion parce que du coup quand on dit BO3, les gens pensent que c'est premier à 3, mais pas du tout. BO5 c'est le premier à 3. BO3 c'est le premier à 2, c'est ça qui est un peu bizarre, dit comme ça. Mais ouais. Restock s'il vous plaît. Bah il est pas là les gars. Les gars, c'est pas nous qu'il faut harceler. Hein. Vous êtes sur la bonne chaîne pour harceler. Vous êtes vraiment sur la bonne chaîne pour poser la question. Je vous sers la main, les gars, parce que vous venez sur nos streams aussi à nous, mais nous, voilà, c'est ce gars-là, là, celui qui sait pas ce que c'est du coin spray. Un spray transfert qui s'occupe de ça, les gars. C'est pour ça. Il a plus le temps de jouer à Valo en ce moment parce que justement, il veut potentiellement vous faire kiffer là dans les prochains jours. Restez connectés. De toute façon, il a un peu leak tout à l'heure. Mais ouais, ça arrive fort, les gars. Forcément, il y a des contraintes qui ne sont pas de notre ressort, on va dire, parce que nous, on ne sait pas créer des maillots, on ne sait pas créer du merch, on ne sait pas. Mais du coup, là, il y a eu des choses qui font que ça retarde un petit peu pas mal de choses. Mais vous inquiétez pas, les gars. On n'oublie personne. On veut vous mettre bien, on veut se mettre bien aussi, parce que du coup on a des joueurs aussi à payer, donc voilà, mais ça arrive totalement fort. Totalement. Et si vous devez harceler quelqu'un, les gars, c'est le gars. Il arrive là, les gars, le caféman. Le caféman. On devrait le mettre Head of Café. Head of Café, franchement, voilà. Il le fait trop bien. Notre head of préféré, Valo. Et du coup, ça c'est le trophée. C'est toi qui. Oh, GP. Major, GP. Rocket League, et ça c'est le trophée de l'ascension. Merci mon gars. Merci, merci beaucoup. Oh là là, regardez notre head of préféré qui vient de revenir. Hey, il fait chaud sur la clim. Ah ouais, ouais. Comment Je viens de penser, j'ai fait aucune story. De l'eau. Ouais, de l'eau. Putain, mais c'est marrant le fond là. S'il te plaît. Ouais. Mais c'est quoi ça? Saiko, il a dit jette le trophée, il est trop moche. Oh, ça tue. C'est quoi? C'est le nouveau bundle. Ouais, c'est le nouveau bundle. Ouais. Et derrière, il y a acheter le bundle M8, VCT. Mais en fait, c'est Rizzo, il a mis son petit truc où, genre, quand ça spam des emojis, en fait, du coup, on les voit sur l'écran à droite. Quoi? Mais c'est l'une des meilleures promos que j'ai vues. Donc en fait là, si vous spammez, vas-y spammez dans le chat. Spammez le chat des emojis s'il vous plaît. Vous allez voir, ça va partir en couille.
Attendez les gars. Ouah, c'est incroyable. Ouah. Ah ouais, ça lag carrément. Ouais, ça lag carrément. Ça lag. Ouais, ça crache. Faites laguer le truc les gars. Je vois un peu trop ma tête qui tire la gueule, mais... C'est la meilleure remote de ma chaîne. Hey, j'ai vu Yann. Attendez, je vais faire une story Insta, j'ai oublié. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Ah, Technologie Horizon, tu connais. Et gros, à chaque stream, il m'aurait un nouveau truc. Ah là 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 là. Bon, ça non, fait du bien, les gars, cette game. Ouais, fait du bien. Ce qu'on expliquait justement avant, on n'était pas du tout en train de faire de la pub pour nos réseaux, etc. On était vraiment en train de parler du match. Pas du tout. Et j'ai cru. Non, t'inquiète. J'ai cru, putain. T'inquiète. Merci. Mais ouais, du coup, la deuxième map qui va commencer. Une très bonne map d'Assen. Non, en vrai, franchement. Parce qu'en fait, Assen, c'est une des maps qu'on a le plus vues il y a un an, où on l'a joué énormément, limite à toutes les games. Et bah des fois on se prenait des trucs un peu bizarres, on avait des attaques où on n'arrivait pas à mettre un wound, on était en mode putain cette map c'est vraiment une map défense, et là on est rentré dans notre match. Et je me rappelle, on était tout le temps, on était serein sur Assen que quand on commence en défense. Ouais. Et là on a commencé en attaque et contre une équipe VCT, ça a été pixel. Déjà on a commencé en attaque et ça se voit que le pick Yoru, il nous a mis direct en confiance, on s'est pas posé de questions. Ah ouais, là il y a beaucoup trop ma tête derrière. Bande de chiens. Ah ouais, il y a que ta tête. Génial. Les mots, elle est incroyable. Des fois, elle apparaît en giga. Ah voilà, je l'ai en méga grand. Les mots, elle est incroyable. J'ai vraiment en giga grand. Les mots, elle est incroyable. Allez, bâtard. Aïe, 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 aïe. Allez, bâtard. Non, par contre, ça fait du bien que Valo reprenne vraiment officiellement là. Ouais, vraiment. Ce kick-off, c'était un petit amuse-gueule. D'ailleurs, on n'a pas trop mangé. Ouais, mais... c'est vrai qu'on avait vraiment faim. Mais là, putain, enfin, on rejoue. Ça faisait vraiment longtemps, les gars, depuis la saison régulière et les ascensions, du coup. Parce que bah, nous, forcément, on suit nos joueurs au quotidien, ce qui se passe, etc. Parce que du coup, on a emménagé à Berlin. Il y a plein de choses comme ça, du coup, en conséquence. Il y a beaucoup d'entraînement. Mais là, que ça reprenne enfin officiellement, c'est vraiment cool. Ça enchaîne. Il y a une petite surprise. Oh bordel, attendez. Il y a une surprise. Ok, bah on va montrer la surprise. Regardez la surprise, les gars. Regardez la surprise, mesdames et messieurs. Il y a une surprise. Quoi ? Il y a une surprise. Mais quoi ? Alors, pour ceux qui ont suivi, il y a une surprise. Mais qu'est-elle ? On vous laisse décrire. Quelle est la surprise ? Allez, j'en sais. Non, la surprise, c'est pas ma tête. Arrêtez de spammer ma tête. Quelle est la surprise, les gars ? Il y a eu un switch de rôle entre deux personnes. Il n'y a pas que ça aussi. Et il y a aussi. C'est le main truc. Bah, c'est le main truc, mais oui, mais. Putain, frérot, on a Logan sur Omen alors qu'il joue Sentinel depuis un an. Excuse-moi, et on a Wailer Sentinel alors qu'il joue Smoke depuis un an. Oui, mais on a incroyable. Il y avait Takas qui était sur Yoru sur les deux Sensei qu'on a vu, il est sur Néon, c'est quand même un petit truc aussi en plus. Ah, mais parce que j'ai vu les pracs. Oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai vu les pracs, et c'est pour ça, t'as raison. T'as raison. Ah oui, ok. C'est que toi, t'es habitué, excuse-nous. Mais c'est vrai que je suis le head of Valo. Head of Valo, spray transfert, papa. Voilà. C'est comme ça, les gars. Papa. Allez, hop, je rallume la clim. Tu l'as pas vu venir, celui-là. On va mourir de froid. Moi, la clim, ça m'allait trop bien. Voilà, non, mais là, il fait trop chaud, les gars. Et c'est quoi ces profils sur le mur? On dirait qu'on est mort, les gars. Retirez ça. On dirait qu'on est mort. Non, mais tu sais que. Les gars, il y a trois petits cadres sur le mur. On dirait qu'on est mort. Demande à Nikov, je sais pas qui c'est qui les a réinstallés. Je les ai enlevés. J'ai dit, c'était. Mais c'est quoi? C'est une secte ici? On est des gourous de secte, quoi. Les joueurs, ils doivent passer dans nos tableaux et faire oh, avant de trucs, on est où là? Parce que vous voyez pas, les gars, il y a trois photos qui sont ici postés sur le mur, mais de base c'était pour le tournage. Attends, mets en grand et moi, attends. Et le pire, c'est que quoi? Non, mais tu sais quoi, le pire, c'est que je leur ai dit. Mets en grand, les gars. Attends, mais y'a les coups. Ça, alors y'a que le grand. Et c'est quoi, le pire, c'est que je leur ai. Le pire, c'est que je leur avais dit. On vous montrera à la fin, les gars. Attends, ça joue. Je leur avais dit. Ah, de là, vous avez pas mis SBG. Ils ont pas enlevé le truc, ils ont juste mis SBG. Ok, les gars, c'est parti. Cette map de Sunset, pour ceux qui ont suivi le kick-off, on a été traumatisés dessus. On a sorti. On l'a joué deux fois lors du kick-off. Une première fois contre Vitality, une deuxième fois contre Vitality de nouveau. Et on l'a gagné combien de fois? Zéro fois, un total de zéro fois. Zéro. 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 Mais ça, c'était zéro. Avant que nous soyons top 2 Europe en vente de bundle. Alors merci pour tout ce soutien. Bye, David Bundle.
Parce qu'on a pris un peu de dégâts hein, du côté sur Beyaz, mais il reste encore une fois. On a de quoi casser le trap. Oh, le petit trap! Et il revient vite en arrière! Oh, il est quand même. Ça, il a pas pu transformer ça en kill le Cypher. Non, mais c'est super parce qu'en fait, nous on y va, elle saute de partout. Donc même si elle se fait ralentir, et en fait, c'est les autres qui sortent et qui pètent pour lui. Frérot, on en prend. Oula, oula, oula. Attends, on a pris. Il y a la 4. On a pris le spawn, on a pris. Ah, mais on voulait prendre un pic en fait, il nous aurait mis bien. On a tout pris. Attention, c'est bien ce qui arrivait. Attention, il prend quand même un double. Il prend quand même un double. On va être en 2v3, 2v3 bon posé. Top, ok, on en a vu deux. Ok, si on arrive à tuer celui-là, on est bien. Ok, on tue celui-là. 1v2, il peut le faire. 1v2, c'est le meilleur joueur du monde. Il a un dash, il a un dash. Non, dommage, bien tenté. Dommage, c'est. Comment il s'appelle? C'est Rizzy. Rizzy qui a pris beaucoup trop de kills, je crois. Ah, il a fait beaucoup de kills, j'aimerais bien voir un replay. Il en a pris. C'est pas Braf qui en a pris deux? C'est Rizzy, hein. Nastral. Ah ouais, wow, ouais, là il en prend deux. Il prend un double, ouais. Ouais, c'est lui qui fout en l'air le round. Tranquille, c'est quand même bien joué. C'est individuellement là qu'il y a eu des petits doubles. J'aurais pas dû être. Mais tranquille, on va juste perdre le premier round. On va non, les gars, il y aura pas la Sunset Curse. Ayez confiance, les gars. Ayez confiance. C'est un BO3, ouais, c'est un BO3, les gars. C'est un BO3, on a gagné la première map. 3-7. Ayez confiance, ça va aller. Une petite OCE, oui, cette écho, on va la mettre. On est en écho actuellement. En face, il y a 3 Bulldogs, une Vandal, une Spec. C'est un beau bonus. Hein. Ils sont 3 à avoir de la Bulldog. La photo. Ah oui, parce que non. Ouh, bam, bam. À la ligne, elle est la photo, les gars, il vous montrera sur. Vous savez quoi? Un timeout. Ouais, non, je vous montrerai à la fin du match, les gars. On se remet dans le match. Ce sera votre petit bonbon de fin de match quand on aura gagné cette map de Sunset. Parce que quand t'as dit je montre après, ils ont cru que c'était après le round. Ah. Non. Non, non, les gars, ça reprend directement. Je rentrerai à la fin du match. Là, je suis dans le match, les gars, je vous dis la vérité. Alors là, j'avoue, avec un shérif et deux classiques, ça va être compliqué. Hein. Il va falloir la prochaine classique. C'est vrai. C'est classique gentleman. Mais là, il a toujours sa ligne, il peut faire un ace hein, sur ça. Ah non. Le problème, c'est que c'est un cypher sur. Attends, trois shérifs. Attends, maintenant j'y crois. Ah, je vous le dis, je. Trois shérifs, mais il y a ce trap là. Ah, il y a ce trap de merde. Lui, il est repéré. Aïe. Après, il reste une rafale. Aïe, aïe, c'est fini. Ils savent qu'il est dans le corner. Et on fera tomber zéro arme. Ouais, là, c'est dur. Là, là c'est un peu dur. Ouais, tranquille. C'est pas grave, les gars, ça arrive. C'est limite normal qu'on perde sur un là. Après, on commence deux fois en attaque. En général, c'est l'équipe qui choisit la map et l'autre side. Donc, en fait, sur la map d'avant, c'était leur map, donc on a sûrement dû choisir l'attaque. On a choisi l'attaque sur Assassin. Bah après, on l'a. C'est ça, hein. C'est carrément, carrément. Donc on avait raison, on a voulu mettre un dynamisme directement. Donc voilà. J'adore le risque. Attention, parce que là, faut le mettre se rendre. Ah, il a 30 HP. Ouais. Bien, il va prendre un gros kill au mid. Ok. Ta casse est tombée, mais on va réussir à prendre deux joueurs en face, c'est bien. Sur Beyaz, il est très low. Hein. Beyaz est très très low. Attendez, les gars. 4v3, l'e-retake. Attention, parce qu'on a vu qu'il faisait des très très bonnes retakes hein, tout à l'heure. Oh là, magnifique, très très bon. La grenade elle est super. Excusez-moi, j'ai envoyé un truc dans mon canal. Qu'est-ce que tu veux, mon gars? Oh là là, bien joué ça, mais bizarrement, quand tu regardes pas, ça se passe super bien. Bah, je me casse. Après, bah, je dis ça. Allez, je me casse. Reste là, t'inquiète. Bah, ça, moi, c'est. Moi, je suis un mec sans gain, moi, je réagis au quart de tour. Hein. Et tu feras attention, tu me touches plus au mot de plate comme ça. Ok, ça peut aller hyper vite. Je te dis, reste pas bien. Smart. Aïe, waouh. Ok, mais on va devoir acheter du coup pour. Quand j'ai la main comme ça, là, comme je suis injouable. Là, la main comme ça, je suis injouable. Touche ici pour voir. Paf, c'est l'autre main qui est venue. Tu croyais que c'était celle-là, c'est l'autre main qui est venue. Et là, je récupère le poignet. Pam. T'as de la poigne quand même, hein, t'es quelqu'un. C'est trop fort. Oh, t'as le classique M8? Oui. Oh putain, moi je l'ai pas. C'est pour ça. Et voilà, c'est notre. On est en spectacle d'improvisation tous les soirs au théâtre du Rond-Point. N'hésitez pas à venir. T'es trop inspiré. Elle était comment ta journée là? J'ai l'impression que t'es. Elle était sympa, j'ai joué à. Bah, en parlant de journée, j'ai joué à AFK Journée, le jeu sur. Je n'arrête pas de t'arrêter pour que tu joues. Je n'y jouerai jamais. Mais tu sais quel danger représentent des jeux mobiles, oui. Et tu choisis de la sagesse. Ok, allez!
Ah, c'est quand même un peu relou parce que du coup ils nous ont agressé, ils ont pu prendre le contrôle de cet orbe. Ouais, la nade a un peu touché quand même. Ils sont mid au duel. Aïe aïe aïe. Oh, c'est les revenge. C'est bien parce qu'en termes de revenge, c'est bien, on arrive à toujours être présent. Des choses qu'on montrait un peu moins l'année dernière, je trouve. Hein. Ouais. L'année dernière, je me rappelle des Akuma pouvaient nous sortir des doubles. Qu'est-ce qu'on va faire hein. Sans qu'on puisse dans revenge. Et là, c'est vrai que pour l'instant, on montre un bon visage à ce niveau-là et ça fait plaisir. Néon qui a avancé, on a flash 2, on va en prendre un, mais on va sortir la droite. Ok, ok, big 3 et 2, 3 et 2, 3 et 2. On va avoir le trap, il est cassé instant. Il check s'il y a une cam. Il l'a eu ou pas? J'ai pas vu. Il a pas vu la cam encore. Il a pas vu la cam, on attend qu'il vient de se faire avoir 2v2, attention, attention. Pas naïf sur le market. Ah. Bah non, son pote vient de péter la dor, donc dommage. Il avait une possibilité de timing, mais... Ah non, mais comment ça, dommage, t'es dans quelle équipe? Non, mais c'est eux qui viennent de péter la porte. Il y a le mate du gars qui a pété la porte. Justement, du coup, on sait que c'est qu'il y en a au moins un qui est là. Ah oui, mais tant mieux pour nous. Oui, voilà. Mais c'est complètement con. Oui, mais t'as dit dommage. Parce que... Oh non, putain, non, attention. Magnifique. Ça, c'est du Wailing. Ça, je te le dis, c'est du Wailing. C'est Logan. C'est Logan, justement. Ça, c'est du Logan. Oh! C'est un Je suis Ethan Valorant, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui viennent d'arriver du canal, on joue notre premier match de la saison régulière. Le kick-off, la dernière fois qu'on était à Berlin il y a un mois, c'était un peu le lancement des VCT, donc de cette ligue-là, pour l'année 2024. Mais ça comptait pas vraiment, c'était un format bizarre, etc. Là, c'est officiel, c'est vraiment le début de saison. Waouh. Ouais, non, là, ce qu'il a fait, voilà. Wailing qui est content. Ce mec, il gère la fantôme. C'est Logan, t'as vu, j'ai eu le réflexe de dire c'est Wailers, alors que non, c'est Logan ce qui joue Smoker. Ce mec, c'est la fantôme comme personne, c'est pas possible. Il ne dit pas tout avec la fantôme. Ah, mais Logan avec. Ouais, avec la fantôme, c'est avec la fantôme. Attention, parce que là, du coup, ils sont en écho. PCE. PCE. Ok, on a l'info qu'il est très. Qu'il est très avancé. Très avancé au mid. Hein. Très avancé au mid. On sait aussi, du coup, qu'il a un deagle. Ah, cette one way va être chiante. Ah. Attention à lui là, attention à lui qui pose des problèmes. Il peut poser problème. Allez, il pose PCE, je vois beaucoup de PCE dans le chat, vous avez raison, PCE, pas cet écho, un terme qu'on a inventé en la saison dernière. Attention, attention, hein, Pora il casse les couilles. Hein. Oh yes! Mais ta casse, il casse encore plus les couilles. On sait qu'il y a potentiellement avancé. On est méthodique, j'aime bien. On est méthodique. Wailers, tranquillement, t'as la patience. Non, sa pose était dangereuse, hein, réellement. Il n'y a pas de trap en plus, regarde, il n'y a pas de trap. Il a fait vraiment une écho sèche le Cypher. Il a quand même un deagle. Ouais, c'est vrai, il a même pas mis de trap, putain, c'est fou. Ok, attention, c'est pas voir, on sait, il y en a un gauche à droite. Elle est en ulti, attention, elle va réussir à en prendre un, pas deux. Pas deux. C'est revenge par Nathan, c'est parfait, on va aller où? Parce qu'attention, il reste plus beaucoup de temps. Ah non, j'aime pas ces redirects à 26 secondes. Surtout que l'Omen a entendu. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, le problème c'est que l'Omen a tout entendu normalement. Le VP est open, les gars. Le VP est open. On a une ulti. J'aime pas ça. J'aime bien. Ils vont pas y aller, il a plus une ulti. Et alors, et moi aussi, ils ont pas une voix, ça veut pas dire que j'ai une voix. Il y en a, on sait qu'il est derrière. Ok, tu avais raison, Brooks. Non, j'aime pas. On a perdu trop de rounds comme ça. Bah, surtout, on a mis beaucoup de ressources. C'est-à-dire que là, on a mis un ulti, vu qu'il nous reste peu de temps, on a mis ulti Raze dans une écho. Ouais. Bah, ça aurait pu être utile. C'était peut-être pas utile d'ailleurs. Ouais, bah, c'est juste qu'en fait, il nous reste peu de temps. T'es obligé pour sécuriser le truc. C'est exactement, c'est-à-dire qu'il y a le mec qui se dise je vais pas y aller. Exactement. Donc en vrai c'est très smart. Ok, magnifique. Bravo l'équipe. Gentle Mate. Oh, on vient de voir des ultras, ça y est. J'adore. Gentle, on vient de voir des ultras. Bah oui, ils ont apaisé mon cœur directement. Oh là là. Là, c'est trop touchant qu'il y ait des supporters qui viennent pour des matchs de saison régulière. Mais eux, c'est les officiels, je crois. Eux, c'est ceux qui habitent Berlin. Ah oui, parce qu'il y a des expats ultra qui habitent à Berlin en fait. Les lignes qui décalent. Moi, si j'habitais à Berlin, je serais là-bas tout le temps. Je te le dis. Les lignes qui décalent Nathan, c'est abusé. Ouais. C'est quoi ce poulet? T'es un menteur, tu serais sur TFT. En ce moment, oui. Ah non, en ce moment, je serais pas du tout. Moi, je serais. Attention. Oh la prise! La prise du lobby! Attention. Ah ouais, dommage. Attendez, parce qu'il y en a encore. Grave, il est pas bien. Là, ouais.
Attends, pas bien, mais ça remène. Hein. Ça remène. Attends, il y a un mort vivant, mais. Attends, pas naïf, bébé. Et là, on est déjà parti de l'autre côté, hein. On parle de l'autre côté, hein, les gars. Ouais, on est déjà parti de l'autre côté. C'est vrai. Ta casque a pris cher. Regardez, il est pas là, Cypher. Hein. Il est pas là du tout, Cypher. On va entendre normalement le petit bruit du trap. Super. Bon, il faut actionner, les gars. Attention à la flash. Sortie de smoke. Et il va prendre son timing. Et voilà, il va prendre son timing maintenant, logiquement. Ah, on sait qu'il y a quelqu'un, du coup. Backside, grâce au couteau. Ouais, mais moi, le Pora, là, il me fait peur. Regardez ta casse. Ouais, ta casse, c'est magnifique. Ta casse, c'est la pose qu'il a, elle est... Oh non. Le problème, c'est qu'il était à 30 HP, hein, donc il s'est pris une balle dans le corps. Il est mort. Ok, super Logan Field, attention, va falloir faire plus. Super Beyaz. Ok, ah, 2v1 les gars, 2v1, on sait où il est. Attention, on prend flash, il est line-up. Il le met tous les jours. 8 bullets to play with. And his opposing number on the other side, Bayaz now half achieved. Oh le timing, il était parfait. Il était pixel. Non. Oh là. Pas moi. Non. Pas moi. Oh mon dieu, quel bonheur ce match, ça me fait plaisir les gars. Allez, faut continuer comme ça. Ah putain, c'est quelque chose hein, ce jeu. C'est quelque chose hein. C'est ça pour Beyazit. Josh, as a former toxic player yourself, how do you feel about this goading that's coming into Valorant? Ah, allez, voilà, c'est parti. Regardez-moi cette line-up de geek là. Ah, il en bouffe des cartes graphiques, ce Beyaz. Attends, non, mais celle-là, faut que je la prenne. Parce que c'est... Non, mais c'est... rien n'y fera. Oh là là. Dès que t'envoies un couteau. Non, tous tes couteaux, ils retombent sur Mars. Toutes tes flashs, elles flashent la team. Tu arrêtes ce perso. Justement, là, j'en apprends un petit peu. Je m'en fous, tu arrêtes ce perso. Oh, le stun est. Waouh. Oh, waouh. Il a arrêté de se battre. En fait, ta casse depuis tout à l'heure, il est tout. Il a vraiment un rôle ingrat. C'est-à-dire, il fait tous les open. Il va devant et Nathan prend la revenge. Les deux sont low. À chaque fois, c'est ça. Et Nathan qui fait. Merci. Le duo marche bien. Ils font une fast retake. Mais c'est là où faut pas se focus sur le nombre de kills, les gars, dans les games. Faut voir ce que chaque joueur apporte indépendamment du scoreboard. Et il y a aussi un truc qu'on voit pas là, c'est la. Oh ! Allez, un deuxième. Dommage. Il y a un truc qu'on voit pas aussi là, c'est la com. C'est qui... qu'on entend pas plutôt. Enfin, qu'on entend pas, en effet. En effet, c'est un autre sens. Super, oh, Logan, magnifique. Ok, 3v1. Nathan qui va jouer sur le DP, qui va sûrement aller le chercher là. Je vous ai dit que ça se passait mieux, Sunset, mais pas cru. Lui, dit. Qui t'a pas cru? Lui. tu le vois. Vous m'avez pas cru, monsieur Gotaga. Mais je vous l'avais dit, Excusez-moi, monsieur Edoff. Effectivement. Eh oui, je vous l'avais indiqué, monsieur le CEO. Pour l'instant, l'attaque se passe très très Faites bien. Faites confiance à votre Edoff. Parce qu'en plus, ça a été un choix défensif de la part de BBL. Ouais. Donc, on commence à mener en termes de round. Ils ont mis l'écho bonus et depuis, on leur fait voir toutes les couleurs. Ça fait plaisir. C'est une structure turque, BBL, ou c'est les joueurs qui sont turcs? C'est une structure turque. Structure turque, ok. Mais les joueurs sont pas tous turcs, j'imagine. Il semble que si. Ah ouais? Ah, donc c'est comme nous. Nous, ouais, team française, que des joueurs français. Pas de dire de suffisant, je vais vérifier, mais il me semble que si. Quand même que leur roster féminin est principalement constitué de gamers turcs. Il y a combien, les gars? Alors, c'est un BO3. C'est la première équipe qui. Ça va être dur. Oh! Quoi? Oh, la honte! J'allais dire ça allait. Oh, j'ai pas honte de le dire, la honte! Voilà. Il l'a tué en étant flash omen. Oh, et dommage parce que son clic droit il est resté stock contre le mur. Je sais pas si t'as vu, mais. Pourquoi tu dis dommage encore? Non, bah, dommage, j'ai pitié pour ces joueurs. Vu ce qu'ils prennent dans la gueule, j'ai juste pitié, mec. Excuse-moi d'être un duo. J'ai pitié. T'es turc ou quoi? J'ai pitié. Bizarre. Ouais, ils sont tous turcs. Ah, ils sont tous turcs. Bah, comme, bah c'est beau, mec. Structure turque que des joueurs turcs et nous, équipe FR que des joueurs FR. Parce que ça, on a oublié ça. On est la seule structure FR en VCT qui a que des joueurs et du coaching staff FR. Belge pour Exy. En tout cas, francophone. Notre coach est Exy. Voilà, en tout cas, notre coach est belge. Mais c'est bon quand même. Justement, briller, les gars. C'est beau, les gars. Je suis content. Briller en mode français, on essaiera le plus possible. Mais là, sur tous les jours, on est très très bien de Nathan parce que. Oui, mais pour ne pas perdre, voilà quoi. Bah, alors moi, je vois pas de quoi tu parles. Saison régulière, premier match, il y a une map à zéro pour le moment, on mène au score. Je vois pas de quoi tu parles. Rocket League, 3 francophones, on prend le major. Je vois pas de quoi tu parles. Mais si tu parles d'un certain kick off, moi j'ai rien vu, j'étais pas là. Donc, moi j'étais pas là non plus. Moi je me concentre que sur ce que je vois et je vois ça. Français, encore un major aussi. On n'a pas été invité au kick off.
Mais non, mais, là, mais c'était, ils étaient encore en rodage et tout, Riot. Ouais. C'est pour ça. Il fait, ouais, non, vous venez de la VRL, vous avez pas le droit de participer. C'est notre premier match officiel, les gars, en VCT. J'ai l'impression qu'il y a un certain déni de notre côté non, vis-à-vis d'un kick-off, d'un début de saison. Non, ok, ok. Oh, ce qu'il lui a mis. Regarde ça. Ouais, c'est ouf. C'est tellement bien joué. Non, mais attends que les gars. Alors là, on est ensemble, frérot. Je te comprends. C'est tellement bien joué. Là, mon frérot, je sais pas qui t'es, mais je te comprends. On est ensemble. Non, mais c'est tellement bien joué ce qu'il a fait, Nathan. C'est tellement. Ok, en gros, il se prend la paranoïa d'ici, il contre-strap, il se prêt. Non, c'est magnifique. Ah, mais là, frère, j'allais mourir de d'objectivité. T'as pété les fonds là. Il a spray en étant parano, il a gagné le duel. Ah non, là, c'était trop là ce que tu fais. Mais tu sais que moi au début, j'étais en mode attends, j'ai pas bien vu. Moi aussi, c'est vraiment sérieux ce qu'il a fait. J'ai cru, et là, j'ai vu son sourire qui a commencé à monter. Hey, tu mets des belles premiers degrés, toi. Hein, t'es efficace. J'ai senti des mots techniques. Il contre-strap. Ah putain, j'ai cru à 100%. Le contre-strap, il était pas mal. Mais j'ai cru que t'étais tellement un gros suceur de M8 que t'étais sérieux. Mais lui c'est un gros suceur de M8, mais là. J'explose l'écran. J'ai vraiment cru que t'étais sérieux. Là en mode là ça va. Pas possible, mec. Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais des fois ça nous arrive, ça aussi. Pour une fois que c'est avec nous, pour les fois où c'est avec nous, on va en profiter. C'est vrai. Play here. Yeah. Can I get a KO to KS4? Can we get like I'll paranoia, okay, allez, I'll counter paranoia and you get ready to fight. Allez, like, 6-2, on continue. Reezy's had his solo ulti for a few rounds. That could be. Ouais, des fois, les gars, avoir un peu de réussite comme ça. Bah ouais, franchement. Mais parti du jeu, les gars. Tout à l'heure, il nous a mis la même, le mec sur Ascent. Hein. Il en tue un alors qu'il est parano, il en tue un autre cross smoke derrière et il nous a mis la même. Les gars, la chance, faut la forcer. Hein. Ça va dans les deux chances. Dans les deux sens. La chance. La chance ou la forcer, ouais. Ça va dans les deux chances. Ça va dans les deux chances, le sens. La sens. La sens. Lyon, ça, on l'a gagné. Pas mal. Merci. Ok, on a détruit le trap Cypher qui tenait le mid. On mine smoke. Donc ça a mis une petite pression. Là, ils nous mettent smoke au main. On sait pas ce qui se passe derrière. On a un peu peur. Allez, les gars. On va peut-être y aller. Hein, ouais, pop flash. Pop flash. Ouais. Snowman n'a pas de parano. Ouais. Attention, cette ligne, elle est. Snowman n'a pas de parano. Oh, il l'a pas mis. Yes. Et ça le va, hein, de leur côté. C'est-à-dire qu'ils ont des armes, mais ils ont deux joueurs quand même avec des dégâts. Magnifique. Très, très gros kill de près. Attention, ça va sortir. Le timing de merde. C'est pas grave parce que Yaz, il peut être raise, les gars. Il est raise. Et il est. Wailers est mort. Ah ouais, là, le. Ils ont ulti en écho et tout. On peut le mettre. On va le mettre. Allez. Oh, pixel. On va le mettre. Waouh. Là, Nathan, faut qu'il ait du courage. Là. Faut détruire. Dommage. Il est dans une merde. Il fait des dems, il fait plein de dems. Oh, il fait plein de dems. Oh, plein de dems. Il est pas dans la merde. Oh non. Oh, j'ai cru qu'il l'avait eu. Attention, parce que la bombe, on n'a pas la visibilité, Logan. Il va attendre un tick. Ah si, on l'a. Oh, ouais, c'était dommage. Dommage. Nathan, qu'il avait fait ce qu'il fallait. Il était on the wing. Ah, il était vraiment on the wing là. Dommage. Dommage. Ah, il avait vraiment bien cliqué, putain. Mais c'est ça là en fait, ce petit timing là sur le wall. Ah ouais, non, après il tire au pif. Ouais, bon. Là, c'est totalement de la chance, c'est Mais M8 est une structure professionnelle qui casse de manière professionnelle et je crois que c'est aussi ce qui a fait notre réputation depuis le début de. Bon, célébrer, soyez contents, merde. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils savent qu'ils méritaient pas le rang. Ils aiment pas leur équipe ou quoi? Non, mais même eux, il a dit, c'est abusé, frérot. Comment ça? Non, mais frérot. C'est abusé. C'est abusé. Mais pas des têtes à travers le wall de ta casse comme ça aussi. C'est pas ça qu'on a vu dans les strats. Tu respectes pas. Ah, et en parlant de strats, time out, j'imagine, côté M8. Alors j'appelle pour les nouveaux, si jamais il y en a, hein, c'est un time out par coach, par side. Donc ça veut dire que là, actuellement, on est en. Bah, plus, vas-y, zoomez plus, pas de problème. C'est quoi?
Donc c'est une donc là on est actuellement en attaque, donc il y a un timeout côté Gentlemates qui peut être fait et un timeout côté BBL qui peut être fait, et quand les sides vont s'inverser il y aura un timeout chacun. Pendant un timeout, chaque coach peut parler à sa team, oui ou non? À chaque fois j'oublie. Affirmatif. Ok, allez les gars, restez solides, restez dedans. C'est dommage, on pouvait Nathan qui avait fait vraiment il a fait le taf, monumental pour attraper le round. Il a fait le taf. Ouais, non, tu gagnes, en fait, non les gars, c'est deux timeouts par game. Non, c'est pas ça, c'est qu'en gros, il était en confiance et en fait, il a fait une décale large. Sauf qu'il attendait qu'il tire pour justement s'arrêter et tirer. Et sauf qu'au final, il a eu la tête instant. Ah, c'est deux pour toute la map en fait. Mais bon, généralement, les gens en mettent un par side en fait. Généralement. Ça arrive très rarement. Si tu te fais snowball un side, ouais, ouais, ok, pardon, my bad, chat, pas chat. Takas, il a la WAP. Oh non. Oh non. Comment ils savent ça, flash, c'est flash, trop. Y'a pas flash. Ouais, y'a pas flash, ouais. Non, c'est très bien joué. Je vais faire Stenior. Putain, c'est chiant parce qu'on perd quand même la WAP là. Ouais, c'est méga chiant, mais on peut aller à la récup après. Attention. Bah, du coup, ce qu'il faudrait, c'est atterrir en B pour ensuite récupérer la WAP et qu'il y en a un qui joue main avec quoi. Mais est-ce qu'on va créer toute notre game, notre round sur le récupérer la WAP? Je crois pas, non. Magnifique, super. Magnifique. Big GG de Beyaz pour le coup. Et on a vu un deuxième. Même pop flash. Il met la molly. On va, on, c'est ce que j'ai fait, on va aller en HP. C'est bon. On va atterrir en B hein, comme prévu. Hein. Oh, waouh. Il a mis un contre-strafe de l'espace-temps. 3v3, 3v2. C'est compliqué là. Allez. Okay. Non. Quoi? Oh, la décale était bonne. Attends, mais. Il était pas dans la tête là? Il le met pas, what the fuck? Ah, il va prendre la WAP en plus. Ouais. That pop flash into B main on that timing was so crucial for BBL and even with that man advantage. Ah, y a pas de let's go BBL les gars. Non, y a vraiment pas de let's go BBL. Je suis navré de vous le dire. Parce qu'il y avait un bon timing. On a réussi à finir en HP. Ah, il a fait des clutch, oui. Ouais. Non, Pora c'est leur joueur fort. Hein. On va pas se mentir, il fait un bon BO là. En vrai, c'est Sova surtout qui nous a pété. Ah, les deux. Ah, les deux. Ouais. Ah, les deux. Non, on fasse, parce que Rizzi là justement c'est lui qui a fait 4 kills le round d'avant. Ouais. Ok, ils ont mis beaucoup de stuff au cas où on faisait une agro A. Ils ont mis beaucoup de stuff. On va détruire, est-ce qu'on a détruit le trap? Non, les traps ont pas été détruits, il les a joués un peu, beaucoup plus bas. Ouais. Ouais, c'est très malin d'ailleurs de sa part. C'est tellement chiant, cette carte, on en a détruit un quand même, non? Il a tiens, check, garde cette line-up. Tu vois le trait de l'avion? 1 mm à droite, tu le lances. Comme ouais. Ça, il atterrit pas sur Mars comme à chaque fois. C'est exactement ce que je dis tout à l'heure. Non, arrête ce perso. Ouais, mais t'arrêtes quand même de jouer ce perso. Ah, et du coup, ça rentre en plein dans le bâtiment. Et du coup, on sait que du coup. J'ai le Sova. Et on va refaire une prise market qui a plutôt bien marché le round d'avant. Ouais. Il avait mis son attention. 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 Oh, il y a tellement de gens. Il y a tellement de gens. Il a... Oh yes! Et il a deux. Ah non, so, attention, attention le cul. Attention le cul. Ouais, attention le cul. Attention. Non. Ouais, de tous les côtés. Ouais, de tous les côtés, c'est dommage. Compliqué. Les Wailers, ouais. Aïe, aïe, aïe. Là, je pense qu'il va écho son arme, là. Là, faut écho l'arme. Ouais, pour moi, faut pas donner d'orb et écho. Là, ils sont en triple ligne. On regarde les trois, là. Ils sont... Ouais, ils sont en triple ligne. Putain, dommage. On s'en sort pas, là, sur ce side d'attaque, là. On a du mal, hein. Allez, si on peut aller sur le. Thune... Après, niveau thune, on est quand même bien. Niveau thune, on va pouvoir acheter. Ouais, bah si on peut aller sur le 7-5, on va pas s'en plaindre, on va pas se mentir. Mais je pense qu'en défense, Wailer sur son Cypher, les gars, on va bien manger. Hein. Je pense vraiment qu'on va bien manger. Ce serait bien d'arriver à faire le break là et de faire le side de 7-5, surtout que là, on va bien pouvoir acheter. Ouais, ce serait cool, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont comme ult pour le dernier round? Ils ont juste un ult au même. Attendez, on va voir Keio et. Et Néon, ouais, là putain, on l'a bien attrapé, mais ouais, waouh. Basically the first location that all of the defenders go to, especially after you break the market door down, like you're pulling all the defenders into this area and then you run into it. Allez les gars, ouais, c'est vraiment des cracks, hein, ceux qui sont sur fallait smoke en B puis rota A, entre parenthèses, j'ai jamais joué. Eh bien tu es time out. Non, en fait tu fais comme nous quoi, tu prétends connaître ce qu'il fallait faire finalement, hein. T'es un bon RPCO, non? Exactement. Après, je pense dans le chat, c'est peut-être ce que c'est un spécial. T'es en RP Squeezie en tout cas, ça c'est sûr. Non, ça va, je connais un peu plus. Non, ça va avec TP, ok. On a ulti.
Ça infecte TP, donc du coup, là, Léon qui va checker le spawn, Sova pour l'instant qui regarde en son dos, parce que du coup, il sait pas si on a vraiment ulti chez eux ou pas. Ils ont zéro ult, on en a deux, ce serait un désastre que Nathan Kouéli meure en first. Mais là, ils ont peur, là, regarde, ils sont en train de chercher le Logan, c'est pas du tout là. Et par contre, ce qui fait peur, c'est que. Ils ont tellement. Ils sont tous en B. Le caillou, il est très avancé. Ah, le caillou, il s'est très avancé au mid, et le caillou là qui va avoir un timing sur Wailers. Il commence à rota. Attention, attention, timing sur Wailers maintenant, attention, attention. Et voilà, magnifique. Franchement, belle anticipation, j'ai la haine. Je crois qu'il l'a entendu. Hein. Oh, il l'a eu! Il l'a eu, attention, le tir, oui, tu l'as. Retourne-toi, boum, quelqu'un. Non, mais non, mais non. Ok, c'est bon, rematch. Allô. On est où là? Allez, attention, on peut prendre quelqu'un, deux. Attendez, pas sur le B, on est pas sur le BP, 3v3, dommage, attention, il a 10 HP. 10 HP. Non, ouais, non, ouais, on se prend de la shutdown, ouais, là c'est compliqué. Là. C'est oh, j'ai cru, dommage. Ah, dommage, dommage. Qu'est-ce qu'on a fait ces derniers rounds là? Qu'est-ce qui marchait pas? Je saurais pas vous dire. Ils ont bien lu notre macro, je crois, hein, surtout. Hein. Regarde là, quand ouais, ils coupent. Il y en a un qui avance bien, tu vois, le caillou qui avance, là, qui arrive à prendre le pic sur Cypher. Ouais, quand ils coupent Wailey, c'est une bonne lecture. Ils prend tout d'espace et du coup, ouais. En fait, ils peuvent gamble sur un BP parce qu'ils savent qu'il y a. Lui, il a tellement d'infos, il sait qu'il y a rien. Ouais. En A. Il sait qu'il y a absolument rien, donc ils font forcément soit au mid et il a vu le mid, il a rien entendu. Donc il sait très bien qu'ils sont. Genre, tout le monde est en A, donc les autres ils peuvent tous venir. Est-ce qu'on ouais. Allez, le game round il va être très important. Allez, c'est parti, on est en DF. Est-ce qu'on a gagné là encore depuis le début? VR On a gagné le tout premier. On a gagné le tout premier, je crois. Ouais. Bon, là, statistiquement, on va gagner celui-là. Ouais, comme ça, voilà, balle au centre, on en gagne un chacun. Normal quoi. Alors, oula. Hein? Le trap il était vachement avancé. Parce qu'en fait, tu t'attends tellement à ce que le trap soit ici que des fois tu fais pas attention. Ah. Ouais, c'est du mind game, c'est une petite partie d'échec quand même. Alors attends, on va jouer en retake, hein. Ils sont tous sur le site. Super, oh, ça. Deux kills, yes. Deux kills qui sont bons, 3 kills. 3 kills, 4 kills. Allez, Ace. Les gars, 5 il est à gauche, il le sait. Ace. Parfait. Ace. Flawless. Flawless. Et en sortant. Ace, pardon, Flawless, pardon. Allez, les gars. The explosiveness, neon sliding out, everything was so. Andalusia flawless. Ah, regardez, Brooks est content, tout va bien, tout va pour le mieux. Ah bah ouais. Nice. C'est le oh waouh, ça t'a fait une tête. Ouais, nouvelle émote pour ma chaîne. Allez hop. J'ai okay, un peu trop ma tête dans tes émotes, mais vas-y, bref. C'est vrai, mais allez, c'est mes émotes favorites, c'est quand il y a ta tête. Allez, gros. Je pense que quand je vais refaire ma DA Twitch, chaque émote sera ta tête. Chacune d'entre elles, ce sera ta tête. Ce serait ouf. Ok. On va volontairement casser la door. Ouais. Ouais, je. Mais il y en a qui font ça, mais. Oula, oula. Il sait. Attention. Et là, il va falloir cliquer mon attaque. En plus, tu peux donner une go. Bonjour. Mais. Ah, il y a eu un blème de com là. Il y a eu un blème de com. Ah, regarde, Takas, il veut reprendre. Ah, Takas, il s'est fait tuer. Il s'est fait sécher. Ah, attends, 2v2, il y a eu un gros blème de com et. Oh, il a vu son arme, à moins que. Il l'entend. Super, okay. Super, on a le spike. 1v2. Oh super, on sait qui est là, super. Ouais, le couteau il a touché. Attends. Super. On sait pas où tu veux faire. On se prend les allez, ouais, il y a eu un petit problème de com. Il y a eu un micmac de com entre Wailey et Nathan. Oh non, on a pas eu le temps de dire, mais montrez-les. Ils sont beaux comme des cœurs, montrez-les. Non, parce que Wailers du coup qui est venu aider et Nathan qui a fait oh, je veux ça, tchèle, salut mon gars. Ouais, je ouais. Et en plus, du coup, en faisant ça, il bump son pote qui du coup. C'est la double peine. Tu te retrouves en V3, mais en plus tu te prends la satchel de ton pote. Ah, c'est génial. Bordel. J'ai l'impression de me voir sur le BP en train de faire une petite erreur de Lucas. Plaît-il? T'es quoi? Je prends une tondeuse, on va faire ta buzz cut maintenant. Tu t'excuses. Je m'excuse. Ok, c'est bon. Et oui, je rappelle que Gotha ne lâchait jamais sa veste. Hein. Il avait promis une buzz cut si on gagnait le major. Il faut jamais lâcher sa veste. Non, mais c'est bien, mais moi je suis chaud, c'est calme. Tu connais, c'est pour ça Seco doit deal avec Cam actuellement. Non, il y a rien à deal, c'est tu t'es engagé. Cam elle a dit, ah, il va être trop moche. C'est cru, mais. Et ça se trouve, ça tira bien en plus. Non, elle a dit, ça lui va trop pas. Ah, t'as déjà eu une basket? The Event, tu sais, on a déjà eu. Ah oui, du coup, moi j'ai une tête très ronde quoi. Ah, fait, des ça, gros fait, jeux, ah, ça fait un 9. Ouais. Ok, ils vont voir le trap. Et d'ailleurs, en parlant de 9, c'est peut-être le score qu'on aura à la fin de ce round si ça se passe bien. En tout cas, je l'espère. Ouais, j'espère aussi.
Ok, pour Wellerspeak. Oh là là, mais quel skill. Quel skill. Il arrive à savoir où ils sont. Frérot, c'est magnifique. Je pas, c'est non, mais, non mais sérieusement, non, mais, soyons objectifs. C'est incroyable. C'est vraiment, c'est l'IQ est dingue. Bah pour le coup, il les a peut-être vus avec ses caméras. Je sais pas si sa caméra était. Non, il n'y avait plus de caméra. Non. Les gars, c'est ouais. Du... Oh, la double décale a été belle. J'adore. Triple décale là. Attention, attention, le dernier. On sait qu'il est là. Mais c'est parfait, magnifique. Mais c'est pixel. Non, mais oh, il a sorti un triple décale. Non, parce que. Non, mais Wailer ouais, connaît ses lignes. Il connaît ses lignes. C'est magnifique. Céline, quoi c'est... Non, non, Céline. C'est une marque. Ah oui, bah tout le monde oui, connaît. Oui, j'espère bien. Oui, et il connaît vraiment très bien. Regarde, regarde. Bon, on va voir. Hein. Donc là, il pète le trap. À peu près vers ici. Pré-transfert. Le deuxième a tiré. Oui, le deuxième a tiré. Il s'est mangé un pré-transfert dans sa mère. Bah, le premier aussi, il a tiré. Le premier, il a tiré. Il l'a eu au son. En fait, non, mais il connaît son jeu. C'est-à-dire qu'au moment où ça pète le trap, tu comptes 1, 2, ça va être à peu près vers ici. C'est et voilà. C'est ça, il connaît son jeu. En vrai, c'est vrai. Non, en non, vrai, alors, en vrai, c'est comme quand degré, tu prends une Flash Phoenix. Premier degré, tu sais à peu près où les gens se situent quand il y a la smoke là. Mais ouais, on a eu full chat. Voilà, les gars, oui, non, c'est vrai, on avoue. Non, non, je suis pas d'accord. Pas d'accord. T'as casse qui va prendre un gros kill, hein. Qui va prendre un gros kill, justement, ouais, on va prendre le contrôle autour de cette orbe, on va pas la récupérer, pas mais on va faire au moins l'open et on va redécaler. T'es quoi? C'est tellement pas d'accord, c'est tellement maîtrisé. Par contre, tout à l'heure, chacun son avis, bro. Tout à l'heure, le coup de Deagle à travers le wall, j'avoue que. Un peu chatard quand même, le. Mais c'est de pire en pire l'objectivité de ce mec. Il n'y a plus rien qui va. Alors cette ligne, elle est redoutable. Mais j'ai jamais vu personne prendre un kill ici. Ah si, t'es fou. T'as sûr que non. Non, non, regarde. Bah regarde. En fait, cette ligne, elle est très dure. Oh, c'est chiant. Oh, situation de stress. Oh, il a pris un. Et franchement, ça va, mais. Oh, il venait prendre l'arme. Je les accueille. Ouais, lorsqu'il récupère l'élite au mid. Allez, les gars. Cypher diff. Allez les gars, 6-10, alors je vous donne déjà des infos sur les prochains matchs. Vendredi prochain, on joue la Karmine Corp, les gars, qui ont fait top 1 Europe. Mais c'est top 1 Europe là, Karmine, ouais, là, actuellement, ouais, le roster, c'est ça. Et la semaine d'après, on joue Fnatic, c'est ça ou c'est encore celle d'après? Je crois que c'est les deux prochaines semaines, on joue littéralement. Je crois que c'est Cassie into Fnatic. Ouais, c'est magnifique. Le programme Valo là, ouais, on joue, la meilleure équipe d'Europe là sur le papier et l'équipe qui a vendu le plus de bundles aussi sur le papier. C'est vrai. Voilà. Et on joue deux top 1, mais c'est différent. Il y en a un, c'est leur skill, les autres, c'est les bundles. Hein? Qui était la meilleure équipe? C'est très bizarre de dire ça de Fnatic d'ailleurs, qui ont dominé toute l'année dernière. Oui, c'est vrai, qui ont gagné les Worlds littéralement une année. Ah ouais, ils vendent juste bien quoi. Non, non, n'oublions pas qu'ils sont Fnatic les gars. Mais c'est vrai que là, ouais, ils sont pas dedans en ce début de saison. Après, est-ce qu'on était dedans nous? Non. C'est pas qu'ils sont pas dedans, c'est que le niveau il s'est augmenté. Ouais, le niveau c'est augmenté, vrai, et puis bah, toutes les équipes ont pris de la data aussi. Hein, parce que bah, Fnatic avait clairement de l'avance sur les autres en Europe. Cette fameuse data. Et, la fameuse. La fameuse data, les gars. KC, Fnatic, Vitality, Team Liquid. C'est ça nos 4 prochains matchs, ok. Ah, j'avais pas en tête les deux d'après. J'avoue. Ils ont pas win les Worlds, non, ils ont pas win les Worlds, ils ont win un major. Ah oui, la saison d'avant, je crois, ouais, d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est ça. Les Worlds, c'était EG qui avait gagné. Ah oui, excuse-moi. Mais qui gagne les Worlds l'année d'avant? En fait, il y avait pas vraiment de Worlds, donc c'était justement un major et c'est Fnatic. Ah d'accord. Mais c'était pas un. Mais c'était un, du coup, c'est un peu un équivalent World quand même. C'est Loud, c'est Loud. T'as c'est loud, les... loud. Ah oui, non, c'était Loud avant. C'était Loud, c'est ça, on est d'accord. Ok. Alors attends, qu'est-ce qu'ils font là? Ils nous ont bien fait bouger. Ils nous ont fait bouger. Ouais. Ils vont livrer un colis, qu'est-ce qu'ils font là? Ils nous ont bien fait bouger, de toute façon, Raiders. Et ouais, et là. Ah, ils ont tous fait bouger. Ah, ils nous ont tués. Ils nous ont tués dans l'œuf. Ils nous ont tués dans l'œuf. Ah, ils nous ont détruits d'habitude. Ouais. C'est nous qui faisons ça. Ouais, bah là, c'est Heritage, hein. Ouais. C'est pas grave. Hein. Et vu que d'habitude, eux, ils sont très A ou B et ouais. Jusqu'au bout. Ouais, c'est vrai. Quand ils font une macro, ouais, c'est vrai. Et quand ils font des retards, on est un peu surpris, quoi. Non, bah ouais, ça faire ça, eux. Non, on parle pas de Loud, les gars, pour les derniers Worlds. On sait que c'est EG les derniers Worlds. On parlait du dernier major de l'année d'avant. Et là, ils jouent tous main. Ils jouent tous main. Ils vont pre-shot à travers. Ils sont tous main. What the fuck? Pourquoi? Ils ont un ulti safe. Bah, parce que si tu crosses la smoke, t'as une quintuple ligne, quoi. Ouais, ils ont la smoke. Ouais, regarde, bah ouais. En vrai, c'est pas passé. T'as cassé, passé. Non, il en fallait plus. Dommage, avec la smoke, on voyait pas bien. Dommage. Non, dommage. Ah, t'as cassé, il avait un boulot à faire. Ah ouais, dommage. Il y a un scénario, il en prend 3 et c'est un héros. Ouais, de fou. Ouais, c'est dommage.
Si tu commences par rapport à la Ligue FR, bah la Ligue FR, on n'y est plus, les gars. La Ligue FR, je crois qu'en ce moment, c'est Mandatory qui sont très en forme. Donc, c'était nos rivaux de l'année dernière. Il y a GL aussi, je crois. GL aussi, très très bien. Alors, ils ont gagné deux majors automatiques. Ouais, c'est ça. En gros, ils ont gagné, je crois, le kick-off, un peu kick-off-like qu'il y a eu là, suivi du major qui a suivi. Avec même une remontada exceptionnelle contre sur Xbox. Et en 2022, le champion c'était Loud et en 2023, c'était EG. En effet. Alors, 17, allez les gars, là. Faudrait le mettre celui-là quand même, faudrait réussir un peu à se... Celui-là, là, le 11ème, la round, là, il nous mettrait très très bien. Ouais, il est un peu... il est important, on va pas se mentir. Ils ont 4 ults, hein. Là, les gars, par rapport à la ligue que vous avez suivi l'année dernière, que vous avez vu dans le doc de Lucas, etc., là, c'est la ligue d'au-dessus, où on s'est qualifié, du coup, une ligue européenne. Il y a, du coup, les meilleures équipes européennes. Maintenant, tu vas jouer au short, tiens. Non, Judge, car c'est du coup notre premier match de la saison. Une saison qui peut être longue. On a un Judge, hein, c'est un Judge qu'on a. Ouais. Non, oh, genre. Non. Attends, c'est Riven, Est-ce qu'il peut en prendre un deuxième? S'il en prend un deuxième, c'est parfait. Il en prend un deuxième, non, il était flash et pixel. Non, il sait. En vrai, il sait, tu sais. Il time, il truc, t'as raison. Ouais, là, les gars, c'est la ligue du dessus, comme disait Gotha, c'est vraiment pas le même level. Et alors après, de la ligue, normalement, BBL est l'une des équipes les plus accessibles à prendre, on va pas se mentir. Sur le papier, bien évidemment. Takas, il a des couilles. Ah ouais, non, il savait juste pas en fait. Il savait juste pas. On devait 3, gros duel de Wheeler. Oh non, on avait le timing quasiment. Non, aïe. Dommage. Ah, ils sont en train de remonter. Allez les gars, faut pas s'effondrer là sur Sunset. Ça fait de la voix quand même, ça fait plaisir. Merci aux Ultras sur place encore une fois. Ouais, c'est clair. Et non, y a pas Clove là actuellement dans la méta, les gars. Non. Elle arrivera, je pense, mi-saison. Ils ont mis qu'un seul. Je crois qu'ils utilisent qu'un seul outil. Ouais. Et on a 4 ults aussi. 4 ults, on est bien. On a le Sinatank. Gamebreaker. Ouais, mais on est en écho. Je sais pas si on va les claquer. Hein. On a. Ah, quoi qu'il va ult, Takas. Ouais, je pense qu'il va ult. Ah, quoi qu'il, on a Wailers et Natank. C'est un pire équipe, ce serait la honte de perdre. Après, les gars, rappelez-vous que sur le papier, on a une équipe qui était en VRL de base. Hein. Donc nous, c'est aussi une année où on a beaucoup de choses à apprendre. Et oui, les gars. Vous parlez quand on était fanatique. Ah, je te jure, ouais, c'est clair. Les gars. C'est clair. Donc là, sur le papier, même je crois que sur tous les sites de bet, etc., par rapport du coup à Valo, c'est pas nous qui avons la cote. Hein. Ah non, on est même dans les pires à chaque fois. Toutes les tier list nous mettent globalement dans les 3 derniers. Super Sabiaz. Oh, Wailers qui joue avec les nerfs du mec. Ah, dommage. En ulti ? Oui, parfait. Oula, c'était tellement haut. Ah ouais, Pas mourir. Allez, mourrez pas. Non, c'est ta casse. On peut pas avoir okay. Il est mort ou pas, Logan? On peut pas avoir une smoke là, une petite. Ah, il peut pas smoke, je crois. Faut qu'il smoke le main là, faudrait qu'il smoke le main. Ouais, il met du temps. Ah, la caméra elle est très bien positionnée. Ah non, il en a pas. Il a pas de smoke. Tôt, on va se faire reveal deux joueurs sur le BP. Attention là, waouh. Oh, c'est Scoot, pardon, c'est tête au Scoot. Ils vont écho. Attends, il reste. Non. Ouais, oh, magnifique. Attention, il reste plus qu'un gars. Il vient de prendre la bombe. Magnifique. Il arrive avec une. Et le classic gentleman qui nous fait gagner ce round, les gars. Encore une fois. Le classic gentleman, encore une fois. Non, il est souriant, Beyaz. Oui, c'est écho, les amis. Oui, il c'est écho. Il est souriant, Beyaz. Ça me fait plaisir de le voir comme ça. OCE, les gars. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme ult? Gentlemates has a really good understanding when they're supposed to do things with ults on an individual level. Tu peux vraiment te faire niquer, genre. J'adore ce type. En fait, il y a des moments où ça passe pas, mais là actuellement, c'est un match où tout passe, hein, pour lui. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Franchement, il le mérite. Content. Ouais, je suis très content. Allez, time out BBL, 11-8, si je dis pas de bêtises, dans le match. Two more, guys. Two more pour partir. De très bonne humeur sur un week-end. Ouais. Ah, clairement. Ouais. Clairement. Ils ont le pouvoir, les gars, de savoir si ce week-end on va être aigri ou non. C'est ça. Allez, les gars, tout mort. Allez, putain. Allez.
Alors, on lâche pas. On sent vraiment le. Tant qu'il y a des rouilles, il y a de l'espoir. On sent vraiment. Alors, oui, c'est, on affronte une équipe moins forte que Vitality lors du kick-off, hein, évidemment, sur le papier, mais je trouve qu'on joue quand même. Comment beaucoup. Ça, les gars ? On joue quand même beaucoup. Pour le moment, on est sur des spéculations. Par rapport à sur le papier, si, on peut spéculer quand même que normalement BBL est si, plus. Si, BBL est bien en dessous. Même avec la data qu'on a sur ouais, ce sur pas mal de choses. C'est pas l'équipe qu'ils avaient l'année dernière. Il y a quand même des joueurs. Ils ont changé de joueurs. Mais je crois que leur kick-off, il était mauvais aussi. Il était comme nous. Non, 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 sur le papier, les gars, faut pas. Sur le papier, c'est une équipe où justement, c'est, on sait qu'ils peuvent être très agressifs, etc. Mais en termes de macro, c'est un premier test. C'est cool de commencer justement par ce genre d'équipe au début pour bien se mettre en confiance, etc. C'est pas gagné, il reste deux rounds encore à faire. Ah ouais, il reste deux rounds. Et puis, la semaine prochaine, du coup, sur le papier, meilleure équipe d'Europe suite au kick-off, Carmine. Il faudra justement. Il faut croire qu'il lance, il faut prendre un après match. Ouais. Super t'attaquer. Merci de prendre un bon pic, tu vas péter la porte. Ah, il les fait stress, il stun instantanément, c'est très bien joué. Il delay leur. Ouh. On l'a bien touché, ouais. Bien entendu, c'était pas de la chance. Ouais. Mais ça, c'est, on arrive, hein. C'est l'anticipation, ça s'appelle. Attention, attention à Brave. Oh, Brave là, Kenny. Oh, le timing. Wow. Oh, il brain. Attention. Oh. Ouais, c'est magnifique. Il est pas ouais, nice. C'est un omen, donc en fait, il peut être au-dessus, il peut être sur la box, il peut être partout. Oh là oui, là, oui, oui, 3v2. Les deux sont mains. On a les deux mains. Ok, j'annonce ace de Takas. Non. C'est pas lui qui diffuse. Attention, faut push, faut faire un truc, les gars. Non, mais les gars. Pourquoi on prend pas nos couilles et on y va pas? Je comprends pas. Pourquoi on y va pas? On est 3v2. Non? En fait, quand on. Je sais pas. Pourquoi on y va pas? Je sais pas, mais c'est. Et ça fait deux fois ils font ça. Plus même. Ils adorent aller B-main et on n'arrive pas à retake quand ils sont dans ce B-main. C'est terrible. Pas retake. À diffuse et à aller les chercher. C'est terrible, hein? Ouais, après, non, là, faut aller là. Ouais, mais ils ont trop l'avantage, non, avec cette pause. Non, parce qu'en vrai, on a la one way. On a la one way sur le truc, donc en vrai, c'est eux qui doivent décaler en premier. Donc en vrai, non, on a l'avantage. Non, on a complètement l'avantage. J'en ai 3v2, les gars, ce round-là on doit pas le perdre. Non, non, on voit des bonnes choses, mais il faut dire aussi quand on voit des choses. Exil a timeout direct, tu vois. Ah, Exil a timeout là, ça lui a mis les nerfs. Ouais. Non, non, là c'est clairement une erreur. Ce genre de retake, elles sont simples à faire. Hein, enfin, simple, j'abuse bien entendu, il faut gagner ces duels derrière, mais là on leur donne le round. Ouais, on leur a offert un round, ouais. C'est clair. C'est pas grave. Allez, Exil, il leur explique. Ouais, je te tiens à dire un truc vrai, c'est que quand le spike est planté contre le mur comme ça, bah du coup ça divise par deux les possibilités de positionnement du mec. Enfin, ça retire la possibilité que ce soit à droite. C'est pour ça qu'il pose là. Et c'est pour ça qu'il pose là et qu'il a ult et qu'il a juste fait ça avec ses doigts. Il a fait une freezer, quoi. Il faut trouver les bons mots. Allez, ça va faire de gagner, les gars. 12e round. Il est important en plus parce qu'après, je crois que si on perd celui-ci, on est en écho, il me semble. Ouais, ouais, on a plus de thunes. Celui-là, il est important parce que du coup, sinon, on serait 11-10, 11-11. Ouais. Ouais, enfin, celui-là, il leur laisserait faire un potentiel comeback en fait, celui-ci. Non, on va pré-shot la cam, mais notre Cypher ne sera pas ici, notre premier pour nous. Allez, attention, attention parce que là, ils ont, oh là ils ont bait le cut. Hein. Oh là là. Wow, il a fait tout le tour. Ok, Takas qui a un taf. Attention, la flash, les trucs. Mais il a TP sur le BP. Non, il y était presque. Non. Oh, il est pas récompensé. Franchement, il est pas récompensé. Ok, ou alors s'il prend un mais qui va se faire pique, on sait qu'il y en a un. Oh. Non, il en a eu qu'un. Non. Dommage. Aïe. Attends, allez les gars! Il a TP où le Omen? Il a TP sur le BP? J'ai l'impression qu'il a TP dans le coin là, sur le BP là. Ok, ouais. Wow. Pas sûr, hein, je crois. Ah, parce que du coup. Ah, parce que là, regarde, il sort de. Ah non, il a TP dans notre spawn. Non, il a TP au spawn. Ouais. Spawn. Je pensais. Ouais. Ah, dommage, franchement, BS il a failli en prendre deux là. Allez les gars, faut pas avoir peur là, attention c'est Neko, on a quand même deux guardians, deux shérifs, ils ont pas d'ult, il peut se passer un truc les gars. On va faire un autre buy, on va prendre deux guardians. On est en retard là sur le setup, non?
Non, ouais, il fait exprès de mettre, ils font exprès souvent de mettre après. Parce qu'en fait, le truc, c'est que vu qu'il y a un sauva, attention. Mets... Oh! Wow. Oh my god, Takas a la raison. Wow. C'est important avec l'ulti, on va y aller, attention. La revenge. Oh non! Non, c'est pas récompensé! Ils sont super lourds, regarde. C'est pas récompensé! Ils sont tous lourds. Excusez-moi, je suis à 3. On leur a fait super mal. Oh bordel. Les damages sont faits. Là, faut juste viser. Ouais, mais ça met des têtes en face, frère. Ça met des têtes. Ah bah là les gars, c'est les armes diff. Hein. Clairement, on a des deagles, on a des guardians et... comment s'appelle la petite mitraillette, là? Le Singer. Singer, ouais. La Singer. Là, si on avait des fantômes à la place, c'est les 4 qui tombaient instant, hein, clairement. Attention à la rotate, attention à la... Attention, là, on va... Est-ce qu'ils vont... Ah, s'ils vont assez embêtant, par contre. On a l'info. Oui. Oh. C'est l'avantage de les avoir Milo. L'avantage de les avoir Milo, c'est que du coup on peut mettre des corps. Attention lui par contre, il est en forme. Il est passé. Le deuxième il est en train de planter. Ok les gars, allez. 4v2. Non. Donc là ils ont tendance à jouer très devant pour réduire l'effectif. Ils ont raison. Beyaz, faut pas que tu prennes ce pic. On sait que les deux sont là. Ok, on l'a vu. Attention. Oh, alors. Non. On donne des rangs. Là, ils se sont séparés. Faut pas se séparer là. Là, faut jouer tout ensemble. On retombe dans nos travers là, ça me saoule. Faut jouer tout ensemble. Et ouais, là, avec des vraies armes, on tuait tout le monde. Hein. Comme t'as dit, Coco. Là, on est 4. Non, mais là, faut jouer ensemble. Là, c'est... Mais pourquoi on se dépatche? On fait deux duels de ce côté-là. Ça passe d'un 4v2 à un 2v2. Ouais. C'est une connerie, ça. Les gars, faut pas refaire sur d'erreur. C'est pas possible. Okay, c'est pas fini, on va gagner. Ah mais ces erreurs là mec, j'ai le trauma du kick-off, c'est bon. On offre deux rounds là comme ça qui... Eh ouais, bah ouais. Aïe aïe aïe. Attends, quelqu'un qui va tomber hein, du coup. Voilà, ça pour le coup ça se tentait. On va arrêter. Aïe aïe aïe. Attends, c'est super smart ce qu'on fait. Attention parce qu'il y a quand même un... Oui, t'en avais plein, lâche. Très beau gosse. On revient en 4v4. Ouais, hein. ça fait du bien. Très beau gosse. Et là, on va aller vers le A. Pour l'instant, c'est un bon pari, mais ils ont l'air de repartir. Hein. Ouais. Ils ont l'air de repartir. Il y a le Cypher qui commence à prendre de l'espace. Cypher qui prend des 60 B, ouais. Ça va TP. Ah non, c'est un fake. Il va se prendre l'info. Il a pris de l'info. Allez, ils vont courir en B. Eh ouais, c'est un très bon pari. Hein. C'est. On s'en chill. Après, alors attends, on est déjà en train de retard. Alors ils arrivent sur le site avant qu'on soit là. On va devoir jouer une belle retake. Voilà, Logan qui attend ses mates, très bien. Magnifique. Oh, Wailers. Wailers, pardon. Il ferait jamais, les gars. Je n'y ferai jamais. Ils ont posé. Est-ce que. Et voilà. Alors, est-ce qu'on va réussir enfin. Logan, il est encore vivant. À jouer ça. Ils font toujours pareil. Mettre, toucher la bombe et ensuite attendre qu'il tire et prendre les duels. Ah, la flash, elle est. Vous avez le temps. Oh merde, parce que. Oh, Jazz, on prend un bon kill. Attention, 2v2. Deux viens, les gars. S'il vous plaît. Pêchez le perdez pas. Pêchez. Let's go! Bordel! Et Logan, il attend. Allez les gars, allez, one more, allez les gars. Oh bordel! Allez les gars! Enfin! Et ça joue tellement à rien. Après, de base, ils avaient pris l'open. Hein. En face. Ouais, on a bien réagi, surtout qu'ils ont posé, on avait personne sur le BP. Ça y est, putain, on l'a enfin mise. Bravo les gars, allez, Allez, balle de match. Cette diffuse avec tous les ennemis qui sont dans le main, ça fait du bien de la mettre, les gars. Allez. Oh! Ah non, je suis trop deck pour lui. Oh, j'espère qu'il s'est pas blessé, moi, faisant ça. Ils ont 3 ults. Ah, attention, ouais, parce qu'effectivement, ils ont beaucoup d'ults. Mais après, on a un ulti KO sur Beyaz pour ralentir tout ça. D'ailleurs, attends, mais Beyaz, leading game, 24 kills, les gars, on en parle pas assez. Hein. C'est vrai ça. 24-15 avec son KO là. Attends. Oh, presque! Lâche, bien joué. Attention, ça fait en mid. Aïe, trop curieux. Ce qui me faisait un petit peu peur. Ouais, mais c'était sûr qu'il y en avait un. Trop curieux, ouais. C'est sûr.
Et attention parce que du coup on leur donne free, on leur donne free info. Free info et là ça va courir en B. Allez, Glass World, ça y va avec l'outil. Ça pré-shot. Ça pré-shot, ça gagne du terrain. Ah, le dom... c'était bien tenté le couteau, beau gosse. Ça va reposer au même endroit contre le mur. Ok, est-ce qu'on va attendre la fin de leur ult ? Ah, est-ce que c'est une énième, un énième round main ? Oui ! Ils font... sauf que là on a ulti KO. On a ulti KO. Ils ont fait 7 fois le même round. Non, let's go. Avec ulti KO, le problème c'est qu'ils pourront pas nous smoke. Allez, ulti KO, ulti KO, touche la bombe. C'est le duel qui nous fait gagner le round. Oh allez, mais bien sûr, un deuxième kill, allez, encore, jouez ta casse. Là, il doute. Allez, yes, allez, yes, allez, let's go. Voilà, ta casse. Dundel, mate, Dundel, mate, Dundel, mate. Ah putain, voilà mes frères. Bon les gars, on s'est fait un petit peu peur, il y a eu des erreurs, forcément, ils vont review, hein. Il y a eu des... Surtout sur les reprises, quand ça posait la bombe, il y a des choses à revoir, mais en tout cas en termes de macro sur les choses proposées, c'était très pixel et ça fait plaisir. On se met directement dedans les gars pour notre premier match de la saison. Ah, ils sont contents là, sur 2-0. Ça va leur faire du bien ça, ça va leur donner confiance, ouais, ça va leur... En fait le truc c'est que ça se voit qu'on a encore des choses à apprendre, ouais. Surtout dans des trucs qui semblent entre guillemets simples. Parce que là on est en BCT, là aujourd'hui les gars si t'es retake, tu recheck pas tout, si tu vas un par un, tu peux vraiment redonner des rounds facilement. Et là le 4v2 on doit pas leur donner. Sur la première map on gagne 13-7 certes, mais il y a deux rounds comme ça à chaque fois où ils font une retake en 3v4 bombe posée, 2v3 bombe posée. Et normalement on doit pas se les prendre. Donc c'est surtout sur la micro qu'il y a des choses à travailler, mais sinon on avait quand même de très bonnes choses, hein. Stratégiquement parlant les gars on était largement dessus, hein. Et ça fait plaisir. Ouais non, je suis très content. Il y a encore effectivement c'est beaucoup mieux que ce qu'on a vu au kick-off, ouais. Mais tu vois contre une équipe comme Vitality, les rounds qu'on perd bêtement, bah ils nous coûtent la game quoi, ouais. Donc là oui contre BBL, ça, nous, on n'a pas la punition finale qui est de perdre la map. Mais bon, faut quand même essayer de corriger ça. C'est mieux, mais voilà, faut qu'on soit encore plus régulier que ça, tu vois. T'es d'accord, mon bro ? Vous pouvez vous synchroniser là pour venir au milieu ? Ah, bah il se prend son temps. Non, mais c'est ses potes. Ouais, c'est, en vrai, c'est vraiment ses potes. Oui, c'est vraiment ses potes. Premier degré, donc là, il est en mode, ouais, c'est ça. Ouais, ah, ce kill que tu m'as mis, machin, ouais, non, clairement, parce que de base, Beyaz, les gars. Beyaz a été olympique ce soir et. Attention tous hein, ta casse il a vraiment fait son rôle. Beaucoup. C'est ça, on est une famille. Et ouais. C'est là, ah, il salue, bien joué les gars. Allez les gars, c'est bien, premier match de saison régulière remporté. Encore 4. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir franchement. Alors oui, on n'affrontait pas une top équipe, mais... Non mais attention les gars, c'est une équipe VCT. Ouais, c'est ça. En fait, on remet tout dans le contexte, parce qu'il y a des fans de structure là qui viennent nous dire « Ouais, les super équipes BBL, c'est la honte. » Mais les gars, sur le papier, nous, on a 5 joueurs les gars, qui viennent pas de VCT. On s'est qualifié pour arriver là, ils ont énormément de choses à apprendre. Et là, c'est là que tu vois les punitions. L'année dernière, quand tu jouais contre des équipes de VRL, tu te loupais un petit peu sur un round, une retake machin, t'avais un Logan qui faisait un triple à 1v3 derrière, tu vois ce que je veux dire, ouais. Là les 1v3 ils seront plus durs à rentrer, ouais, tu vois, ouais, donc non, faut là, vraiment a... corriger directement toutes ces erreurs de micro. Je sais pas dans quel moyen tu entraînes ce compartiment, mais sinon tout ce qui était la stratégie, on était tellement au dessus et ça fait plaisir de voir ça, hein. Ils sont sur le maillot ou... Ah non, ils sont sur Wailers. Aïe aïe aïe. Les gars, ça fait du bien, ouais. Je suis très content. Alors, quel est le prochain match? Prochain match, du coup, contre KC, semaine prochaine, vendredi aussi, je crois. À quelle heure? Bah, en fait, le problème des heures, les gars, c'est que restez connectés sur les réseaux parce que. Ah, attendez, interview, on en reparle juste après. Ah, vas-y, remets du son. Here in VCT. Are you more happy or relieved that finally this moment has come? I'm happy. it was important to win today to be confident for the next game. I think we worked a lot. We are a little bit shaky for the moment, even in practice. We need to find our game. So I think that win is important to get energy, confidence, etc. That's great. I wanted to ask you, right, after kickoff, you only played against Vitality and you only got those two losses, especially getting adjusted to being here in Berlin. How many things or what did you focus on to improve coming into the regular season? I cannot go too much into details, but we changed some roles, Wailers and Logan. Wailers took some ciphers on some maps. Actually, we changed, like we spoke about a lot of things like composition, macro not too much, micro
We did a lot of micro, like clutch, etc. Normally, oh, yeah. We don't have to do that too much, but we lose a lot of clutch recently because we don't have enough experience and. C'est ce qu'on disait avant. Maybe it was because they were not confident enough, but anyway, we are working on that. So we are working on. On a lot of topics for the moment. Yeah, right. Exactly. One of those topics also being that double duelist that we've seen today on Ascent is actually very refreshing to see something new and teams changing it up all the time. Do you think that the double duelist is like the new meta and something that you want to bet on very hard? I'm not sure it's a new meta. It's the way we like to play. There is a lot of map where we play two duelists. Nathan is really good. He was good today. Yeah, he was good. Not only today, on duelist is really, really efficient. So, it's just our style. I don't think it's a meta. Oh, okay. You praised as one of the best coaches that it is out there. So many people are very excited to see you here in VCT. Are there any other coaches that you were, looking forward to compete against, not only here in EMEA, but also globally? Here, I don't know too much all the core, but Heng did a lot, like a good job, I think, with Carmine Corp. I want to play against a lot of good coach like that. There is a good mind game before, etc. So, yeah. Yeah, I like it. So I love that you mentioned KC, because obviously you're going to be playing against them next week. We're very excited about that one, and I assume that there's a country behind that will also be very excited for it. You know that they just come from playing in Madrid. They're showing off very, very good results. Is there anything that you would like to say to them to get ready for next matchup? Nothing especially. Like, it's going to be a cool game to play, I think. It's going to be exciting. There is a lot of things, with our CEO, like Squeezie against Carmine Corp, etc. Mm-hmm. That's gonna there will be a big hype, so it's gonna be a nice game, but it's another game. Okay, that's good, because the season is going to be pretty long, right? Do you see yourselves I know that today might be like just a small showing, but getting this trajectory going, would you see yourself going to Shanghai, going to Champs? Do you think that you have the mentality and what it takes to make it all the way? Yes, I think so. Yes. I think that we are evolving a lot because we know what to work on to evolve. So I don't know when we're going to be ready, but at some point we will improve. We are already showed that a little bit. So I'm not sure we are ready yet to go to Shanghai, but maybe yes. Yeah, exactly. Okay, I love that. Again, congratulations. Last thing that I'm going to ask you is to say something to Natank, because actually they're waiting. Natank Bonkol and Yinsu are waiting in postman. So I know that he had a brilliant performance. Do you want to, to say something? Cheers to Natank. Yeah, he's Natank. Look at the camera. He's there. I promise. Just person. You can say it in French. Yeah. No. Like, he's playing good. C'est une fraîche, non. Especially in official. C'est quoi, bourbière, dans lequel elle met, là, c'est pas... Allez, débrief ton joueur face à la caméra devant des milliers de gens. A lot of mistakes, so I'm always fighting with him, like, all the time. But, you need the time... Qu'est-ce qui se passe, là? He deserves my patience, not really. No, but it's gonna be fun for him, too. En gros, il fait beaucoup d'erreurs. The reality, he's really young, that the player that do... he's doing a lot of mistakes of like a young player. That's how you learn. But look, he can perform, destroy the other team. So good job, man. Keep going. One day I think he's gonna be a real champion. Like he do a lot of mistakes. He do a lot of mistakes, but one day he's gonna be a big player, I think. Okay, Natank, keep making those mistakes as long as it's in Prague. Il a dit, il fait beaucoup d'erreurs, mais un jour ce sera un grand champion. Il mérite ma patience, parce que surtout que Exy est très exigeant. Ouais. Donc il y a l'interview de Nathan en même temps. Quand ils ont la post-plante se plier, on l'a vu en plus sur les kick-offs, c'est une post-plante qui est chaud, tellement forte, et vous avez réussi à la counter, c'était assez impressionnant. Mm-hmm, c'est vraiment chaud la post-plante. En tout cas, on est très contents de pouvoir gagner ce match. Franchement, rien que pour le moral, ça fait de ouf. C'est vers deux loses au kick-off. On avait un peu, enfin moi j'avais un petit stress en mode est-ce qu'on est vraiment prêt, etc. Tu vois. Et au final, je sens qu'on est vraiment prêt et qu'on va encore plus s'améliorer. Tu vois. Et là, vraiment, je suis vraiment confiant dans la mort et je suis grave content qu'on a win.
La montée en puissance des mecs pour la suite. J'espère, on l'espère. On l'espère tous, je pense. Si tu as un petit mot vite fait à dire pour les fans des mates, qu'est-ce que tu dirais maintenant ? Moi, j'ai un petit mot aux fans des mates. Je dirais merci de nous avoir suivis, ça fait plaisir. J'espère que vous avez kiffé vous aussi. Merci de travailler avec nous, on les kiffe. Et vraiment cœur sur vous, merci à ma famille qui me supporte et ma copine qui me supportait aussi, je vous aime tous, mes potes. Voilà. Merci beaucoup Takas pour cette interview. Merci à vous. Je vais clôturer le stream et tu peux y aller, merci. D'accord, merci beaucoup. Et franchement, bien joué encore. Merci. Et puis on se voit la semaine prochaine. Hein, donc yes sir. Yes sir. Il est content, les gars, il est content, yes, ça fait plaisir. Putain, ça fait plaisir de le voir comme ça. Eh ben messieurs, Il y a une autre interview si tu veux encore. Like there's foot. Il est en bon anglais en plus, attends, il est en bête d'anglais. Play against them. And I mean this season actually this is so stacked. Like the level everybody is so stacked. So it's so cool to play in this league right now. Is there a team that you would like? I want to ask like two different teams I want you to name. Who is the team that you the most want to beat just out of the VCT EMEA? C'est quoi la team que tu veux le plus battre dans la ligue? Il y a comment il s'appelle le mec lui là? C'est un ancien Vitality. Je crois que c'est un peu Vitality. Et tu préfères? Et si tu devais battre Carmine ou Vitality, tu choisirais qui? Vitality. Parce qu'ils nous ont mis 2-0. I expected that. Et aussi parce que c'est un ancien joueur Vitality. Ah oui aussi. Yeah. Ah oui c'est vrai, il y a son And histoire. And is there a team that you want to beat more than Vitality? Bonne call. More. Yeah, like, even une team qui veut battre like, plus que Vitality. You know, like, Vitality beat, you know, like another team. Of course, Fnatic is. Au score Fnatic. Such a good team. C'est vraiment une so bonne much, team. This team has an aura. Et cette them, team elle know. A une aura autour d'elle. Ce serait un honneur them. De les battre. But win by win, mais... one day by day, week by week. And yeah. Mais voilà, chaque jour en son temps. We progress and we on y va jour par jour, semaine par semaine, like win guys, by that's win. That's how you did it in Ascension, I feel like, too. You guys just kept progressing, kept getting better and better. I do want to talk about comps, though, because you guys have been cooking. And I mean, c'est vrai qu'on a unique comps sur des, 4 maps already, des like 3 of them Yoru, the other 3 Phoenix, not something that we see a lot right Yoru. Now in EMEA at least. So what's the reason behind all of these comps? I mean we're experimenting a lot of different comps on all different maps we are playing and most of the time the comps with double duelists works the best for us. So on essaie beaucoup de choses like, et la plupart like du temps les comps ago. En double dueliste like, c'est ce qui marche mieux avec nous. One week ago, but we decided to play this one and we were like okay it's working like this, so ça me donne pas les gars putain how, ça me fait du bien. How long do you usually test a comp? So how many scrims, how many days until you feel c'est confident again, that you could show it? Il est très fan de Logan pour le Fortnite. I mean we have like our panel of tactics and if we change comp then we try to adapt them as on l'a entendu s'arracher as like with the micro you know the spells and but when we adjust it and we adapt then we can see after one week okay are we good on it wow. Or, I don't know how much we spend time on each comp but I would say maybe 5-6 hours on each to check. I mean, for this one, we didn't have that much time, at least, is this for an this last week. Is this an existence thing? Like, do you just really want to play Phoenix? Est-ce que c'est Exit qui t'impose Phoenix ou est-ce que t'as vraiment envie de le jouer? I mean, I really enjoy j'aime it, beaucoup ce perso. But it's his choice. Mais c'est le like, choix d'Exit. He's feeling like that it's the game style of the character is this character is fitting well with my game style. And, il dit que le perso fit bien avec sa manière de jouer à la tank. I feel like Phoenix is still like, you know, like it's very individual because you can play very well for yourself. I wanted to ask you because like after looking at today's matches, I felt like you guys played very very well together. C'est qui a ajouté la musique là? Ouais. Is there someone in your team that you play especially well with? Is there someone that you really sync up with in the team? Was this you two when you played together? Is that what you're trying to ask him? Like who's his new bone cold? A little bit, yeah. Il est marrant, je l'aime bien, oui. In the team, il est sympa. I am very often with Whalers. Il dit on dans la, side, avec qui like, t'as particulièrement joué chez lui. Nathan qui dit qu'il est and dans so la team, il joue souvent avec Whalers. Together, ils ont un bon team play tous les deux. And yeah, the
the hardest thing is to make Phoenix work in a team and having good team play with it. Yeah. It's always asking like, okay, let's come, pick with me, I'm gonna flash or combine it with some reveal or... Ah, il dit Phoenix, like, il marche bien quand tu l'assembles vraiment avec un autre perso dans ta compo. At first you play it individual, but then more you play it. And you au début, tu le joues un peu en mode individuel. Et puis plus tu joues avec lui, plus tu comprends l'importance de tes mates, quand ils te suivent, quand tu mets ta flash, quand ils mettent une reveal derrière ton wall, etc. I'm glad you mentioned Whalers because I could not believe my eyes when I saw that Logan was going to play Omen. J'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu que Logan allait jouer Smoker sur Omen et Whalers allait jouer Cypher, Sentinel. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'était le choix de Exit. Il a mis ça sur la table un jour. Il a dit, je pense que Logan est un peu plus agressif que Whalers et il peut faire des trucs avec Omen. Donc on en a tous parlé et on s'est dit, ok, ça peut être un bon choix. Donc on a essayé. Et maintenant, bah, on le sort en officiel, en match officiel. And what about you, Bunko? What did you make of... I feel like all of Existence's ideas and input, right? It sounds like, from what you're saying, that he has a lot of his own way of doing things and he's implementing them. Yeah, I feel like you told a lot about Existence bringing like a lot of stuff into your team. Something that I'm very curious about is how much is like, if you have to get like percentages, how much is Existence bringing to the table? How much is Payas bringing into the table? Okay, quand il y a un nouveau truc, à quel point c'est Exit qui le met sur la table ou à quel point c'est Payas? Like brings, like how many ideas bring? A lot, like most of it, like he's doing the whole thing. La plupart des idées c'est Exit, c'est lui qui fait vraiment tout ça. Putting like 80. Il a dit Xy, là. Il met sur la table 80% des choses. It's very easy for you to just focus on your own gameplay and Existence is the one, you know, like backing you guys up. Donc du coup, c'est plus simple pour vous de vous focus sur votre gameplay et lui, c'est le mec qui tire les ficelles. Like all the ideas, and c'est lui qui a toutes les idées sur la macro, la stratégie. We've recently focused on this because we were not that good with micro. And so et nous, on s'est aperçu qu'on avait des lacunes en micro, donc on a focus sur la micro récemment. Parce qu'en tant que joueur, for the runs he wanted to do, so we worked a lot on it and we are still working on it and it pays off. C'était dur d'adapter la macro qu'il voulait mettre parce qu'on avait des lacunes en micro, donc on a décidé. He was like dropping the paper everywhere and stuff. Has he upgraded his system? He's got a notebook now or something? Just papers? I guess. I mean, you mean how he's working? Like, yeah, you know how he's carrying like all of the random pieces of paper with him all the time. Yeah, he's kind of old style, always writing, but it's his way to work. Des and we have, of course, like a panel, Google Doc. We can check online, but c'est quoi ces piles de papier? I love it. Every time he brings this to the crew, I'm so interested in what's actually on there. But the tank, there was a little bit of instigating that went on yesterday when we had Benji Fishy here with us doing this post spawn. He actually left a question for you, so let's roll the clip and show Nathan. Benji a laissé une question à Nathan hier quand il était sur Fortnite. Which team do you think is going to get last and do the worst this year? Oh, quel team va être perdu et va faire la pire saison cette année? Yeah, you agree with that? You like that question? Yeah. Oh, nice. C'est cruel comme question. Ouais. Okay, so the question he wanted you to answer is which team do you think will finish last? Quelle équipe va finir dernier selon toi? I mean, it's joining what I said earlier, like this. The league is so stacked. It's so hard to say. Il dit, je sais pas, la ligue elle est très stacked, c'est dur de dire. Ça va, je réponds BBL. Je réponds Fnatic. Actually, I have no idea. Wow. I would say dernier de la ligue. Oh, il a dit Vitality du coup. Il a dit Vitality. You know every gentleman. Ah ouais. Il a dit Vitality. Il l'a check. No, of course not. Il se dédouane, il se dédouane. I take my responsibility off of this. For the fact that you answer that pour so kindly and so nice, you get to do some instigating. Oui, c'est regard malicieux là. Il est marrant, ce gars, je l'aime beaucoup. Players from either KC or Foot, depending on who wins. So, would you like to leave a generic or any kind of question you want to ask to our next guest here? Est-ce que tu veux poser une question pour le prochain guest qu'on accueillera ici? Are you scared of gentlemates? Oh, la question c'est as-tu peur de gentlemates? Okay. Oh, okay. Well, we're gonna get you to do it again down this camera. Yeah. Are you scared of gentlemates?
Should they be bone cold? What do you think? After seeing that Phoenix, yeah. Après avoir vu Phoenix, ouais, moi j'ai peur. Yeah, yeah. I'm glad you bring up some of these teams because let's take a look at the standing of the squad. C'est un ancien mate de Nathan, you guys. Oui, every single game has been a 2-0. We have not seen a third match this entire week. So do you feel like maybe this plays into what you said, Nathan, as we take a look at the standing? Et voilà le classement actuellement, les gars. Alors, sachant que le groupe Omega affronte le groupe Alpha, les gars. Voilà, yeah. Chaque team s'affronte en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que là on a fait BBL. Semaine pro, c'est Carmine. Like semaine d'après, Fnatic. Semaine d'après, Vita. Dernière semaine, les Team Liquid. Give you more material to answer. Yeah, of course. And yeah, that's true. Only 2-0. Oh my God. And also looking at this, obviously you got a few opponents coming up. C'est pas dans les maps, c'est TTC, mais anyone that you feel like it might give you a challenge, somebody that you feel like could be a difficult one. Il y a que des coups de cage deux fois. Fit will be. Oh no, they are not in. Can you show the teams again? I mean, Fnatic, Carmine Corp. Fnatic or Carmine Corp. Even after Fnatic's showing a kickoff, il dit que le plus dur c'est avec Carmine Corp mais Fnatic. Et elle lui demande même après ce qu'on a vu du kickoff Fnatic où ils sont foirés. good fundamentals and je les aime trop. Protocols, so they are really good. They can beat everyone. So. Il dit ils sont quand même très bons, ils peuvent battre tout le monde, même s'ils ont perdu. Ils peuvent quand même se wake up et rouler sur tout le monde. I like the respect. Now, before I let you go, Bone Cold has a present for you. You guys at home would have seen this a little bit earlier, but Gentle Maze fans will know, and some Vitality fans will know as well. Nathan, he's on the wing. If you want to turn around real quick, we are. Ah, c'est amusant. Ah, mais il est temps. Should we Nathan on the wing. No. On the wing. I don't know the lyrics. You guys don't know the lyrics. You guys know the lyrics. So we're here. Yeah. We're playing it right now. Come on, Sunter. I'll try my best. There we go. We're in Gucci. So we Gucci. Oh putain, c'est génial. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, faut que t'ailles derrière la caméra. Là. Ah oui, faut que je monte les petits cadres. Ok. Ouais, mais attends, avant ça, on se retrouve vendredi pour le match contre Carmine Corp. Ouais. Avec une petite surprise pendant ce live. Oui. Et à quelle heure est le match? On a l'info ou pas? On n'a pas l'info, mais dans tous les cas. On est le deuxième match. Ils annoncent 19h. On est deuxième match. En fait, c'est le deuxième match, dis-vous que. Ouais, donc soyez là à 18. Soyez là à 18. Voilà. Non. Dis-vous que le premier match commence à 17h. Soyez là à 16. À 16, on se retrouve. Normalement, c'est comme aujourd'hui, les gars. Normalement, c'est comme aujourd'hui. Mais dites-vous que s'il y a 2-1, etc. En fait, il y a que 2-1. En fait, s'il y a 2-0 au premier match, on joue à 19h. S'il y a 2-1, on joue à 20h. Voilà, c'est ça que vous devez savoir. Donc, on se donne rendez-vous à 19h. Dans tous les cas, nous, on lancera à 19h. On va affronter la Carmine Corp. Ouais. Qui est sur une saison du Feu de Dieu, qui est actuellement la première équipe de la Ligue, la VCT MIA. Voilà, on va affronter un gros level, les gars. On va voir ce que ça donne. J'ai hâte d'être vendredi prochain. On finit sur les cadres, voilà, que je vous disais qui sont en déco. On dirait qu'on est mort. On va les retirer de spa. On finit sur ça. Merci d'avoir regardé. Moi, je les avais retirés, les gars. Ah, moi, je vais les retirer, je te le dis. Je les ai retirés, je sais pas qui les a remis. On dirait qu'on a crevé. C'est quoi ce délire? Ah, c'est toi qui les a remis, Rizzo? Qui les a enlevés? Mais attends, moi je les avais enlevés, je les avais mis là-bas. On dirait qu'on est mort. Mais non, mais c'est trop bizarre. Parce que genre, les joueurs ils doivent passer ici, faire une petite prière pour nous. Soyez rassurés, on n'est pas mort. C'est ce qu'il a dit, Camillus a dit, je passe tout le temps devant et je fais.
Ouais, non, mais oui, on dirait qu'on est soit une espèce de secte bizarre, soit qu'on est mort. Dans les deux cas, ça me va pas. On va vous les mettre avant de les enlever. Ouais. Prenez soin de vous à vendredi. Ciao tout le monde. Ciao. Amy Twin. Bisous tout le monde. Et ça va slay vers les balayer, pardon, vers regardez, les. Regardez-moi ça. Regardez. Ah, faut lever. Et voilà. Regardez, les gars. Regardez. Ouais, regardez. Ouais, oh. Priez pour vos CEOs. Oh, oh là là. Oh. Casse-moi ça. Attends, et dernier truc quand même, les gars. N'hésitez pas quand même à prendre les skins. Hein. Bundle, les gars. Amy Bundle, n'hésitez pas, forcément. Sur ce, les gens, des bisous, portez-vous bien. Je sais pas où est l'outro, je la cherche là depuis tout à l'heure.